Eh bien, salut à tous, c'est le doc, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve ce soir pour la cinquième édition du rendez-vous des barons en plein cœur de l'été. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait une émission. Je m'en excuse, j'étais en vacances. Ne vous en faites pas, papa est rentré à la maison. On va reprendre très rapidement un rythme de croisière suffisant. Je vous le promets, ce soir, on a une émission qui est très riche, très dense, avec de nombreux sujets. On va recevoir Idriss Aberkan, il va nous parler de son dernier ouvrage, on va parler des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle, du métaverse mais aussi de la religion, un peu de géopolitique si on a le temps. Sans plus attendre puisqu'on a un timing très serré, je vous demande d'accueillir monsieur Idriss Aberkan. Bonsoir monsieur Aberkan, est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez oui. bien Tout roule pour vous Très bien, bonsoir, ravi d'être là. Eh bien écoutez, c'est un plaisir de vous recevoir. Comme toujours, avant de commencer sur les différents sujets que l'on va aborder ce soir, est-ce que vous pouvez prendre quelques minutes, vous avez vraiment le temps, pour vous présenter peut-être à ceux qui, euh, vous connaît, qui ne vous connaissent pas euh, sur le chat de Livre Noir et euh, voilà, prendre le temps d'expliquer vos différentes activités. Je vous laisse la parole. Bien sûr, merci beaucoup. Donc moi, je suis enseignant au départ. J'ai enseigné notamment à l'école centrale 7 ans, à la Neoma Business School aussi, où j'enseignais dans le Master Supply Chain. J'ai dirigé une vingtaine de, de, vingtaine de tests de master spécialisés à Centrale notamment, avant que ça devienne Centrale Supélec. Euh, et puis donc, en matière de recherche, j'ai passé un total de trois doctorats, dont un préparé à l'école polytechnique et qui était déjà sur les interfaces machine. Je m'intéressais à la façon dont on pouvait améliorer notamment les navigateurs, euh, j'ai été chercheur invité à Stanford pendant un an dans le département de mathématiques par feu Solomon Pfefferman, qui était un de mes mentors et que je salue. Il est décédé maintenant, mais c'était un très grand monsieur. Et puis ensuite, j'ai été consultant. Rapidement, on m'a offert des, des possibilités de conseiller des gens, des chefs d'entreprise, des politiciens aussi. Et de ce métier de consultant, en fait, je suis devenu formateur, donc notamment conférencier, où j'ai donné plus de 600 conférences dans le monde et 9 TEDx. Et puis aujourd'hui, donc je suis essayiste, écrivain, je vis de mes droits d'auteur, de mes prestations de conseil, euh, et puis donc bien sûr, notamment des entreprises que j'ai fondées. Où il y en a à peu près une sur deux a foiré, pour être honnête. Mais celles qui ont marché ont très bien marché, et ça me permet d'être complètement autonome et euh, de n'avoir de compte à rendre à personne, si ce n'est ma clientèle. Donc, euh, j'apprécie énormément cette liberté, même si elle a été difficile à conquérir. Voilà un peu le, le paysage. Je m'intéresse beaucoup à la géopolitique, bien sûr, que j'ai enseigné aussi. Et en ce moment, c'est ce sur quoi je parle le plus. La dernière vidéo que j'ai publiée sur YouTube, c'était donc c'est une vidéo sortie aujourd'hui sur euh, le tournant des BRICS, là, comment les BRICS sont en train euh, de dévorer le G7 tout cru. Euh, et je pense que c'est un tournant historique majeur. Alors, on a mis en description euh, tous les liens donc, qui renvoient à votre chaîne YouTube et vous êtes aussi auteur puisque vous avez mmh. sorti récemment un ouvrage qui s'intitule Le triomphe de votre intelligence, euh, pourquoi vous ne serez jamais remplacé par des machines. Ça va être un petit peu le fil rouge tout le long de cette euh, soirée puisqu'on va aborder des thèmes qui sont euh, explicitement mentionnés dans votre ouvrage et on va commencer de suite euh, par le transhumanisme, si euh, vous le voulez bien. Le transhumanisme, j'affiche à l'écran le logo officiel de, 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 de ce courant de pensée, alors qui vise à améliorer les capacités intellectuelles et physiques des individus par eh l'usage de la technique ou par la science. C'est une notion qui est extrêmement ancienne. On la retrouve déjà au 19e siècle avec des auteurs comme Nikolai euh, Fyodorov qui partait du principe qu'on pouvait, en utilisant la science, améliorer la condition euh, humaine et peut-être même accéder à l'immortalité. Lui, il parlait même de ressusciter les morts, tout un programme. Euh, on retrouve aussi cette volonté d'immortalité dans tous euh, nos mythes et nos légendes. Euh, C'est vraiment quelque chose qui a façonné notre inconscient collectif. Et aussi en France, et eh bien, on a. Euh, tout un tas de, 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 de personnages qui ont joué un rôle très important à, par le biais du transhumanisme, notamment avec euh, Jean Courtot, qui était un ingénieur qui a inventé ce terme en 1937 dans son essai L'humanisme économique. Ma première question pour vous, Monsieur Aberkane, c'est quelle est pour vous votre définition du transhumanisme Et surtout, est-ce qu'il y a un transhumanisme ou est-ce que c'est une notion plurielle avec au sein même de ce courant de pensée, des subdivisions, euh, des euh, divisions internes avec différentes euh, approches. Bah, vous avez très bien cerné le sujet. Euh, c'est une euh, c'est une notion plurielle. Certains chercheraient à l'unifier, mais euh, il n'existe pas un transhumanisme. Alors, vous avez des mecs dans le transhumanisme. Une des mecs euh, dans le sens vraiment lieu de culte, lieu saint. Quoi C'est euh, c'est la Singularity University. Où euh, il m'a été donné l'opportunité de parler il y a quatre ans, ou trois ans, je ne sais plus. C'était avant le Covid. Euh, donc j'avais donné une conférence plénière à la Singularity University. Et là-bas, dans, dans le, le, le dîner, c'était à l'Académie des sciences de Californie. Très beau bâtiment, Drenzo Piano, très, sur le plan architectural, très bel endroit. Et puis euh, au dîner, il y a quelqu'un qui m'approche, qui, qui me dit Alors Idriss, qu'est-ce que tu feras dans 300 ans Je lui dis Comment ça dans 300 ans, il y a de fortes chances que je sois en train de bouffer les pissenlits par la racine. Ah non, tu sais pas. Enfin. Pour, pour, pour nous autres, terme utilisé, c'était en anglais, mais euh, pour nous autres, euh, voilà, il faut qu'on qu se prépare, qu'on qu ait des plans. Qu'est-ce qu'on va faire dans 300 ans Très bien. Donc, il y a déjà cette idée qu'il faut. L'immortalité, c'est bien, mais pas pour tout le monde. Hein, faudra qu il faudra qu'il y ait les paysans, euh, un peu comme dans le meilleur des mondes, quoi. Hein, vous aurez dans le meilleur des mondes, il y a les, les alpha, plus les bêta, etc. Puis il y a les gamma, les epsilon, qui sont des machins. Un peu dégueulasse. Jodorowsky en a bien parlé dans, dans les, les, les technopères et les méta-barons. Hein, donc l'émission, c'est les barons. Bah, les méta euh, ça résume bien cette idée. Donc le point unificateur du, des transhumanismes, c'est la lutte contre la mort, qui normalement définit la médecine, puisque Claude Bernard définissait la vie comme l'ensemble des fonctions qui résistent à la mort. Et euh, l'idée de repousser les limites de la mort au maximum et de la sénescence, c'est euh, le dénominateur commun de toutes les formes de transhumanisme. Donc, euh, voilà, cette idée qu'est-ce que tu feras dans 300 ans, pourquoi ne, ne pas mourir, parce qu'après tout, la mort, ça sert à rien, etc. Euh, et là, bah, voilà, on, on voit ou on ne voit pas quelques-unes des conséquences. Steve Jobs, euh, alors qu'il savait qu'il était en train de mourir d'un cancer du pancréas, il ne le, le disait pas pour pas affoler les actionnaires, il disait à Stanford qu'il était remis, mais ses biographes nous confirment qu'il était à peu près certain qu'il allait, qu allait mourir, et il disait la mort est la plus belle invention de la vie. La sagesse, dans la tradition philosophique française, en particulier depuis Montaigne, philosopher, c'est apprendre à mourir. Et puis, pareil avec Sénèque. Et le stoïcisme, c'est une des plus belles contributions de l'Occident de, de à la philosophie. Donc euh, est-ce que le, le transhumanisme ne serait pas justement, une, en essayant d'abolir la mort, une abolition de la sagesse Ça, c'est vraiment mon point de vue. Hein. On voit que, on voit énormément de transhumanistes qui n'ont plus un gramme de sagesse en eux et euh, qui sont en fait des sortes d'enfants gâtés, terrifiés par la mort. Comme on en voyait, euh, je ne sais pas, hein, par exemple, on a vu des milliardaires se faire des transfusions de sang d'adolescents. Donc il y a une société, vous avez Peter Seal, le Co-fondateur de PayPal, qui a investi dans une société qui faisait des transfusions de sang de jeunes, alors pas d'adolescents techniquement, mais de teenagers, donc 18-19 ans, là où c'est légal. Euh, quand j'étais à Stanford en 2006, déjà, hein, les, les ovules pouvaient se négocier pour 20 000 à 40 000 dollars. Euh, le sperme pouvait se négocier pour 1, 000, 1 100 dollars. Et encore une fois, je parle de dollars de 2006. Donc on voit déjà aussi les liens avec l'eugénisme. Hein, de... Parce que vous pouviez demander des ovules euh, dont, dont la mère était aux yeux bleus, avec des grands-parents aux yeux bleus, etc. Euh, donc voilà, moi je suis assez concerné par ça, parce que euh, l'humain n'est pas une création humaine. Qu'on qu soit athée ou pas, ça ne change rien à cette réalité physique et factuelle que l'humain n'est pas une création humaine, et que l'humanité est particulièrement optimisée, et que quand on a, on a eu des espèces, des, des hominidés qui étaient interféconds avec nous, le Néandertal, qui étaient vraiment des, des Ubermenschen à l'époque. Hein. Le Néandertal, c'était vraiment un, un homo qui était beaucoup plus adapté, qui était résistant, très musclé, résistant aux maladies, avec une boîte crânienne supérieure à la nôtre. Et puis Homo sapiens Néandertalensis est, a disparu. Enfin, il n'a pas complètement disparu, puisqu'on en est les descendants. Hein. Toute, toute personne rousse, notamment, a des gènes de Néandertal, et, et les rousses et pas seulement au, au nord de l'Europe, puisque Ramsès II euh, était roux. Donc, euh, L'idée de vouloir optimiser comme ça l'humanité et puis de définir qui, qui a le droit de, de, de vivre 300 ans et qui n'a pas le droit de vivre 300 ans, ça risque à mon avis de détruire l'humanité. Et c'est évidemment mon point de vue sur les transhumanismes actuellement. Vous avez cité euh, Aldous Huxley, que j'affiche euh, à l'écran, qui a écrit euh, Le meilleur des mondes et qui, d'ailleurs, pour la petite anecdote, euh, passait la plupart de ses vacances dans le sud de la France. Mm -hmm. euh, beaucoup disent que c'est un visionnaire, mais en réalité, sa famille, euh, il vient d'une famille d'illustres scientifiques qui euh, travaillaient euh, dans la biologie, etc. Donc, il, il, il connaissait son latin. Vous avez parlé de la marchandisation euh, du, du, du corps humain. Est-ce que ce n'est pas le transhumanisme? L'étape ultime du néolibéralisme qui rend tout, euh, mat tout euh, objet de manufacture, tout, euh, mm -hmm. tout objet de vente. Est-ce qu'on ne perd pas justement euh, la, notre substance et est-ce qu'on ne mais pas, on va dire, de côté de notre âme, au profit de notre corps, comme juste simple marchandise qui peut se négocier, comme vous l'avez très bien expliqué, avec 20 000 euros, le fœtus, etc. Parce que dans Le Meilleur des Mondes, on parle bien de ça, on parle de la fabrique artificielle d'enfants, on voit également ça dans Bienvenue à Kataga. Donc, est-ce que ce n'est pas l'aboutissement ultime d'un néolibéralisme fou, en quelque sorte si, justement, euh, l'idée par exemple qu'on puisse vendre son utérus comme on vend ses bras, moi euh, bon, en ce qui me concerne, je ne suis pas fondamentalement contre la gestation pour autrui par exemple, mais à la condition expresse qu'elle soit entièrement désintéressée, volontaire, qu'elle soit impossible et inaliénablement négociable, qu'on ne puisse pas la négocier, qu'on ne puisse pas lui mettre un prix et qu'elle soit suivie de la façon la plus ténue possible euh, pour garantir qu'il n'y ait pas eu de dessous de table ou de, de transaction cachée. Or là, bah, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que ça y est, on, on a passé cette étape-là, on a, des, on a des, des, des fermes à utérus quasiment, et puis on parle maintenant d'utérus artificiel, et donc de la possibilité, bien sûr, d'optimiser ces enfants. Et euh, vous avez un biologiste que je cite dans certaines de mes conférences, qui a, qui a, qui a très bien résumé l'idée, il a dit, que vous avez beaucoup d'illusions là-dessus, hein, si vous voulez essayer d'améliorer tel ou tel gène, en fait, vous ne vous rendez pas compte qu'il y a un phénomène en biologie qu'on appelle la pléiotropie antagoniste. Pléiotropie, antagoniste. pléiotropie qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'un gène peut réguler plein de réseaux à la fois. Ce n'est pas juste un bouton. Vous savez, l'opposé de la pléiotropie, c'est que vous entrez dans une, dans une salle, vous appuyez sur un bouton, il y a une seule lampe qui s'allume. La pléiotropie, c'est vous appuyez sur un bouton. Et il y a peut-être des lampes qui s'éteignent, des, des lampes qui s'allument, il y a peut-être le, le phare gauche de la voiture de votre voisin qui s'allume, vous savez pas. Vous appuyez sur un bouton et dans un rayon de 400 mètres, il y a des trucs qui se sont allumés et qui se sont éteints. C'est ça la pléiotropie antagoniste. Nous, on a une vision de monotropie, euh, pas antagoniste du coup, un interrupteur, pif-pouf. Donc euh, on se dit, bah, tiens, on pourra enlever l'interrupteur de la mort, on pourra enlever l'interrupteur qui nous rend sensible à la grippe, on pourra en enlever l'interrupteur qui fait ci ou qui fait ça. Et en fait, les réseaux génétiques ne marchent pas du tout, mais alors pas du tout comme ça. Et euh, donc, ce, ce biologiste disait voilà, bah, imaginez, vous voulez, euh, vous voulez empêcher, vous voulez vous rendre moins sensible à, à la malaria, bah, pas de bol, vous allez développer une drépanocytose, l'anémie falciforme. Imaginez, vous voulez euh, empêcher telle ou telle, telle, ou telle sensibilité, bah, vous allez avoir la maladie d'Huntington en contrepartie, vous augmentez votre risque d'avoir la maladie d'Huntington. Ou vous augmentez votre risque d'avoir une bêta thalassémie, ou vous augmentez votre risque d'avoir la mucoviscidose, etc. Et euh, en fait, les, les, les épées à double tranchant génétique, euh, qui constituent nos réseaux génétiques, parce qu'il n'y a, a pas de repas gratuit, chaque chose qui a été optimisée, elle a, elle a augmenté les risques d'un autre côté. Eh bien, les choix difficiles les cornéliens ont déjà été faits pour nous. L'évolution a déjà pris des décisions dans ces épées à double tranchant génétique pour nous. Et c'est marquant de voir qu'énormément de transhumanistes ne sont pas du tout des biologistes. J'ai vu des, 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 des euh, de politiciens, vous savez, il a failli y il a, il a avoir une, un candidat transhumaniste aux élections présidentielles. C'était une candidate en particulier, au, au passé particulièrement trouble et, et bien, sous le coup de plein de pénales en ce moment d'ailleurs, euh, et puis qui avait bossé avec un, un politicien euh, qui avait été condamné en justice, Enfin, bon, quelqu'un de, de, de peu savoureux. Et euh, cette personne n'était pas du tout biologiste. Que se lancer dans le transhumanisme comme ça sans avoir la moindre idée, par exemple, de ce que c'est que la pléiotropie antagoniste pour commencer. Donc, souvent, on voit une sorte d'idéalisation très enfantine. Je parle d'enfants gâtés, c'est-à-dire d'enfants de, de, qui tapent du poing sur la table quoi, parce qu'ils n'ont ils ont pas envie de prendre la voie difficile, qui est la voie de la sagesse, qui est la voie de la compréhension de la mort et de son acceptation. Et donc, du coup, comme des enfants gâtés, ils tapent sur la table et puis ils espèrent que Papa Noël va leur apporter la vie, la vie éternelle et puis l'immunité à toute maladie. Mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça que fonctionne la biologie. Il euh, n'y a pas de repas gratuit. Quand on améliore quelque chose d'un côté, on le rend plus vulnérable de l'autre. Beaucoup d'essayistes et de scientifiques l'ont démontré. Et en fait, il y a même un, un théorème en informatique que je cite dans mon livre, qui s'appelle le théorème du no free lunch, pas de repas gratuit, par Volpert, collaborateur. Euh, le théorème du no free lunch, il dit qu'en en informatique, que, euh, aucun algorithme ne peut être plus efficace qu'une recherche aléatoire sur toutes, les options, sur toutes les variétés de problèmes donnés. Et en biologie, c'est très, très important, ce théorème, parce qu'il signifie en fait qu'il n'est pas possible d'avoir un réseau génétique, un réseau bioinformatique qui soit optimisé pour toutes les classes de maladies, pour toutes les classes d'environnement. Ce n'est pas possible. Physiquement, mathématiquement, ce n'est pas possible. Donc, le, le transhumanisme idéal, le Ubermensch idéal, euh, qui serait supérieur en tout point, c'est une illusion non scientifique. Et en la chassant, cette illusion, eh bien, euh, on va dégrader, Homo sapiens, en fait. On va, le, on va le bousiller, comme quand on a voulu euh, suroptimiser certaines espèces végétales, par exemple, certaines patates, certains animaux, et qu'on les a rendus plus vulnérables ce faisant. Je vous propose qu'on écoute un court extrait de Michel Benassayag, donc, qui est un libertaire et qui va donner son avis sur le transhumanisme. Et vous allez me dire par la suite si vous êtes d'accord avec euh, sa vision des choses. La vidéo dure 55 secondes. Euh, donc, c'est l'individualisme. Et moi, j'ai dit. Non, les vivants participent à la vie. Alors, l'autre jour, il y avait par exemple un transhumaniste français qui sont un peu plus honteux, toujours il se présente plein de doutes, euh, style français, n'est-ce pas Et alors, lui, il disait Oh, euh, Benazayak dit que si on était immortel, parce que c'est ça, le délire, on, bon, on générerait à l'écosystème. Bon, euh, même euh, un enfant de 5 ans peut comprendre que. S'il y avait non pas une humanité immortelle, mais s'il y avait mille cons immortels, ils se boufferaient toutes les matières premières de la planète. Alors, tous les délires de Laurent, Alexandre, la mort de la mort et tout ça, sont pas que des délires, sont des contenus très très réactionnaires d'un monde d'apartheid entre ceux qui seront plus ou moins augmentés et les autres qui seront des esclaves diminués. Alors pour résumer sa pensée, donc il y a deux problématiques. Alors il parle de Laurent Alexandre, il y a deux problématiques dans le courant du transhumanisme. C'est d'une part, si on est immortel, il y a une problématique au niveau des ressources qui, elles, sont, peuvent s'épuiser rapidement. Et de l'autre côté, est-ce que le transhumanisme ne va-t-il pas consacrer une sorte de euh, lutte des classes avec ceux qui auront accès à cette technologie là et ceux qui n'auront pas accès et donc une dialectique de, du maître et de l'esclave en somme si tout à fait c'est exactement ça et euh, le philosophe monsieur Benasséas que vous avez cité a parfaitement compris que derrière la dialectique des augmentés vous avez les diminués alors on n'en parle pas, on dit non l'homme augmenté vous allez voir non l'homme augmenté ça sera les implants, le cyberpunk tout ça sera contrôlé par des sociétés, elles pourront déterminer qui est augmenté ou pas elles pourront déterminer qui a le droit de se reproduire ou pas. Euh, les différences de qui vous disaient voilà, il va falloir stériliser telle ou telle couche de la population, il va falloir, vous savez, et c'était sur des bases sociales. Il hein, y a eu, bien sûr, sur des bases raciales aussi, mais sur des bases sociales surtout. C'était, voilà, à Londres, le prolétaire londonien, il faut comprendre qu'au bout d'un moment, il va falloir le stériliser parce que le darwinisme social a bien montré que s'il si est un prolétaire londonien, c'est qu'il est inférieur. Et donc, il est diminué. Et donc, il faut l'éliminer du corps social. Euh, et quand on voit bien sûr tous les, tout, tout, tout les grands hommes et toutes les grandes femmes euh, qui sont issus des classes populaires dans l'histoire de l'humanité, à commencer par Jules César qui a, qui a grandi à, et qui est né à Subura. Subura, c'était la pire banlieue, c'était le pire quartier de Rome, c'était un, un quartier de prostituées et de prolétaires. Et Jules César est né là-dedans, même s'il est né de famille euh, importante, mais il a connu la, la misère aussi, il a connu le, la, comment dire, la mise au banc, il a, il a eu de la famille qui a été exilée, etc. Donc, on a beaucoup de grands, de grands humains qui sont issus dans l'histoire des endroits que les eugénistes et maintenant les transhumanistes voudraient diminuer. Et tout simplement parce que confier, euh, confier le, le destin de l'humanité à une micro-caste hédoniste, jouisseuse, euh, qui ne cherche pas l'effort, qui ne cherche pas le mérite et qui ne cherchent pas la sagesse, qui, qui méprise la sagesse, qui dit, moi j'ai parlé à un transhumaniste qui, qui conseille parfois Laurent Alexandre, il m'a dit, euh, tu, sais, tu sais moi, la sagesse, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'est pourquoi, je sais pas pourquoi s'emmerder La sagesse, c'est dur, hein, pour... vu que c'est dur, et qu'encore une fois, tous ces gens-là sont des enfants gâtés, sont des enfants gâtés, ils, des enfants gâtés, ils ont euh, des compulsions, un peu comme une sorte d'influenceuse Instagram qui ne saurait pas gérer ses pulsions, et ils aimeraient que le monde devienne l'huître de leurs pulsions, et euh, que, que le monde élimine totalement leurs angoisses, leurs inquiétudes, euh, et que le monde puisse euh, en fait devenir ces Socrate contre Calliclès. Euh, Calliclès, l'idée du la réponse au désir immédiat. Et j'en parle aussi dans, dans, dans mon livre, c'est on imagine un monde où voilà, je veux quelque chose, il se matérialise sous mes yeux, immédiatement, au delà de la réalité virtuelle, immédiatement. Je veux, euh, je veux un harem d'une centaine de nanas et ou de mecs et ou de ce que vous voulez, d'animaux qui hein. se matérialisent devant moi. Et ce monde-là, qui est vraiment le monde des enfants gâtés, hein, mais des enfants gâtés riches, très très riches, et on sait qu'il est dangereux dans le sens où je ne connais pas un exemple dans l'histoire de l'humanité où donner le pouvoir exécutif suprême aux enfants gâtés a conduit la civilisation à exceller. Hein, que ce soit Caligula ou Néron. Parce qu'en fait, les transhumanistes actuels, ce sont des, ce sont des Caligula, Néron et Héliogabal. Caligula, Néron et Héliogabal, c'était vraiment des gens qui avaient mis la totalité de l'Empire romain au service de leur jouissance et de leur égo. Voilà, Néron, il avait fait ériger une, une statue en or de lui devant euh, ce qu'allait devenir l'amphithéâtre flavien. On l'appelle le Colisée parce qu'il y avait la statue de Néron devant. Néron s'était fait ériger une cuisine tournante. Donc, euh, il avait une salle de repas tournante avec vue sur le cirque Maxime et il y avait un mécanisme qui la faisait tourner lentement. Je crois que c'était euh, deux révolutions, euh, une révolution toutes les deux heures. Euh, et voilà, il avait mis les ressources au service de sa jouissance. Et en fait, c'est ça, le, ce que cache les transhumanismes c'est l'idée d'avoir une minorité augmentée, une majorité diminuée. Et la minorité augmentée qui met le monde au service de sa jouissance. Et ça, ça ne peut pas être un projet de civilisation. Vous dites que les transhumanistes sont des, des enfants gâtés. Et il y a deux arguments qui ressortent fréquemment dans leur rhétorique. Déjà, il euh, y a euh, l'argument de Jean Coutrotte, donc celui qui a inventé le terme, qui part du principe que. L'être humain est fait de raison, donc il sera forcément raisonnable. Il faut juste qu'on discute de ce sujet calmement et que toutes les nations autour de la planète euh, eh bien, se, 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 se mettent d'accord et travaillent en commun dans, dans, dans cet objectif-là. C'est de l'utopie complète, tout le monde mmh. le, peut le comprendre. Et l'autre argument qui est souvent mentionné, c'est le fait que le transhumanisme peut être consacré par le biais de notre euh, évolution par le biais de l'évolution euh, scientifique technique etc. donc pour eux ce n'est pas une négation de notre humanité parce que à partir du moment où on est capable de consacrer le transhumanisme c'est en quelque sorte une suite logique c'est l'aboutissement de l'humain parfait. qu'est-ce que vous pensez de euh, cet argument de parce qu'on peut le faire d'un point de vue euh, matériel? c'est souhaitable. Alors, on ne peut pas le faire d'un point de vue matériel, pour commencer. Hein. Pour l'instant, c'est une illusion. Ensuite, il euh, y a une, un principe qui dit qu'il ne faut pas enlever une barrière avant d'avoir compris à quoi elle sert. C'est valable pour plein de sujets. C'est valable pour la politique. C'est valable pour les politiques publiques, que ce soit l'immigration ou autre. Enfin, il ne faut pas enlever une barrière avant de savoir à quoi elle sert. Sinon, on risque, euh, on risque évidemment de mourir et de, de, de créer des conséquences funestes pour tout un tas de personnes. Euh, à quoi sert la mort Ce qui est toujours frappant, chez les transhumanistes, quelle que soit leur tendance, c'est, leur, leur, leur aversion, leur répulsion pour la sagesse, comme Néron, comme Elio Gabal, comme Caligula, comme Caracalla, comme, comme ce que l'Empire romain a produit de pire, hein, et ce que l'Empire romain a produit de meilleur, Nerva, Trajan, Adrien, Marc Aurel, Auguste, c'était les empereurs sages, c'était les empereurs qui avaient une haute conscience de la mortalité et de la sagesse. Mais, ce que l'on retrouve chez tous les transhumanistes, c'est une aversion pour la sagesse. Ils n'aiment pas la sagesse. Ils pensent que c'est quelque chose de dépassé. Et donc la connaissance de soi, la connaissance de l'humanité, la connaissance de pourquoi la mort existe, pourquoi la mort, qu'est-ce que la mort, pourquoi, pourquoi existe-t-elle, ça les intéresse pas. Ça les intéresse pas fondamentalement. Donc je, je me rappelle de cette il y a, il y a un, un, une vieille histoire enseignement sur la route de la soie. Vous la retrouvez dans, les, euh, vous la retrouvez dans les, les corpus du yoga, vous la retrouvez chez les euh, euh, chez les soufis, vous la retrouvez euh, notamment dans un roman que je vous recommande, qui est un excellent roman, qui s'appelle Caracouche par Idris Shah. Je l'ai offert à mon ami euh, Code Reno. Je, je lui avais offert le, le bouquin que j'ai lu plusieurs fois, que je cite dans ma thèse. C'est vraiment un excellent roman. Et dans Caracouche, qui se passe en Afghanistan, où s'est rendu Alexandre, Et Alexandre est allé, euh, évidemment, il a, il a fondé la ville de Balk. Et euh, ses descendants, on peut appeler notamment le Nouristan On sait génétiquement maintenant que les descendants de, des soldats d'Alexandre blond aux yeux bleus sont retrouvés au Nouristan dans la, la, une des vallées les plus dangereuses d'Afghanistan. Et puis le pakol, le béret des, des Afghans, le pakol, c'était le béret des compagnons d'Alexandre, la cavalerie, la cavalerie d'élite. portait portait ce béret, c'était un, une coiffe macédonienne qui s'est retrouvée au fin fond de l'Afghanistan et qui aujourd'hui est le chapeau national afghan par excellence. C'est le chapeau que portait. Massoud quand il a été assassiné euh, et au fond de, du du vous avez cette histoire qu'Alexandre le Grand cherchait la source de vie donc il cherchait désespérément la source de vie euh, et il l'aurait trouvé il l'aurait trouvé quelque part entre l'Afghanistan et l'Inde et juste au moment d'en boire alors il aurait rencontré un, un des prophètes des religions abrahamiques un prophète qui est reconnu dans les trois religions abrahamiques euh, les Juifs, les chrétiens et les musulmans. Et parmi les chrétiens, les, euh, les catholiques et les orthodoxes en particulier, les protestants en parlent moins. Euh, C'est les Arabes l'appellent al khidr ça veut dire le verdoyant. C'est Elijah chez les Juifs. C'est euh, un personnage initiatique euh, immortel, immortel, euh, et hautement sacré chez les musulmans. C'est le guide, le, le, le guide parfait et le sage parfait, celui qui sait faire la différence entre le bien et le mal en, en toutes circonstances. Et euh, Alexandre le Grand voit, avant de boire l'eau de, 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 de vie, il voit un pauvre corbeau tout déplumé, tout pété, avec le croupion déplumé, qui s'approche comme ça, qui a l'air vraiment très euh, misérable. Quoi. Et ce corbeau lui dit, ô euh, oh, prince, roi des rois, même parce qu'Alexandre est roi des rois quand il a conquis la Perse, hein, l'empire achéménide, le, le chat, c'était le roi des rois. Ô oh, roi des rois, ne fais pas ça. Ne fais pas ça, ne bois pas ça. Moi, le corbeau, j'ai bu cette, euh, cette eau il y a des dizaines, des dizaines de milliers d'années et je ne peux pas mourir. Et, et je n'ai qu'un rêve, c'est de mourir. J'aimerais mourir, mais je suis maudit, je ne peux pas mourir. Et vous avez des, des maîtres du yoga, hein, des, de, parce que dans le, le, leur titre initiatique, c'est Yogi Raj. Yogi Raj, ça veut dire roi yoga. Euh, L'un d'entre eux est très connu sur Internet, c'est Sadhguru, mais, euh, qui, qui veut dire vrai gourou, vrai maître en. Hein. De, 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 pour, pour les yogis, mais, mais vraiment son son, son, grade, son rang initiatique, c'est yogiraj, euh, qui vous dit la, la, la meilleure décision qu'Alexandre ait prise dans sa vie, c'était de ne pas boire cette eau. C'est de ne pas boire cette eau. Il a rendu un service immense à l'humanité. Le progrès de l'humanité fonctionne, passe par euh, les cycles de, de vie et de mort. Alors quand vous avez des grands, des grands messieurs, des grandes dames qui meurent, comme Hildegard de Bingen, ou euh, Anne de Kiev, ou euh, Auguste, ou Adrien, ou Nerva, ou Trajan. Oui, c'est mal. Mais quand vous avez des Nérons, des Héliogabales, des Caracalla, des Caligula qui meurent, c'est très bien. Et l'humanité fonctionne comme ça. Et si on enlève ça, si on dit que les Héliogabales, les Caracalla et les Nérons vont vivre mille ans, ça va devenir un enfer sur Terre. C'est aussi simple que ça. Comme disait Sénec, euh, toute vie n'est qu'un voyage vers la mort, en somme. Donc, mmh. ça fait partie intégrante de, de notre condition humaine. Mmh. Par rapport au débat qu'il y a sur le transhumanisme, on a l'impression qu'il n'y a aucune nuance. C'est-à-dire qu'on passe d'un extrême à l'autre. Par exemple, on a des auteurs comme euh, Fukuyama peut-être euh, certains euh, qui regardent connaissent donc la fin de l'histoire, qui a aussi écrit Le Dernier des Hommes, enfin qui fait partie parfois d'une certaine édition de la fin de l'histoire, où il donne son avis sur le transhumanisme et qu'il est, il est très critique euh, euh, envers cela. Il explique que c'est pour lui, c'est un fléau en tout cas. Et à côté de ça, on a des hommes comme euh, Ronald, euh, Ronald Bailey, qui est un scientifique, qui lui part du principe que non, c'est la plus belle promesse et c'est une bénédiction pour l'humanité. Quelle est votre position par rapport à ça Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui sont bonnes à prendre dans le transhumanisme, par exemple pour soigner éventuellement certaines pathologies euh, qui, on va dire, sont, malheureusement euh, n'ont pas de traitement à ce jour et que le transhumanisme pourra apporter des solutions en améliorant la vie et peut-être euh, en limitant les souffrances Ou alors il faut avoir vraiment une position où on part du principe qu'il ne faut jamais y toucher parce qu'à partir du moment où on va ouvrir la boîte de Pandore, eh bien, euh, ça sera trop tard. Quelle est la position qu'il faut adopter par rapport au transhumanisme Alors, euh, un de mes héros, Richard Francis Burton, explorateur britannique, grand maître d'hypnose, diplomate, escrimeur, euh, il a fait le, le pèlerinage à la Mecque déguisé en arabe, il parlait 29 langues couramment, euh, disait, Tiens l'humanité pour un seul homme dans l'universelle agonie, toujours se bat et toujours lutte pour atteindre, ce, pour atteindre le jour où l'agonie cessera d'exister. Donc, il y a toute la réponse au transhumanisme là-dedans parce que euh, d'abord, Richard Francis Burton, c'était un gentleman extraordinaire. Et euh, Sir Arthur Conan Doyle a créé le terme gentleman extraordinaire en pensant notamment à lui. Il avait un respect immense pour lui, comme d'ailleurs des grands poètes. C'était un immense poète, Richard Francis Burton, immense. Et dans cette citation, il y a vraiment tout. Tiens l'humanité pour un seul homme. Donc considère que l'humanité est un super organisme qui n'a pas encore pris conscience du fait qu'elle est un super organisme. Mais que l'humanité, si elle atteint un jour des stades de coopération maximale, des stades où euh, elle peut euh, gaspiller le moins de ressources possible dans les conflits, où elle peut se fixer un objectif transcendant. Après tout, on n'est qu'un tout petit point dans l'univers. Alors, il y, y a des, des, des technopositivistes comme Elon Musk qui voient les choses comme ça, qui disent voilà des, des grands enjeux qui nous dépassent. Comme dirait Mohamed Ali, si vos rêves ne sont pas, si vos rêves ne vous terrifient pas, ils ne sont pas assez grands. Donc Elon Musk, il a pris ça au mot. Il dit voilà je un rêve qui me terrifierait, ce serait de coloniser Mars. Donc, euh, allons-y. Et là, ça pourrait unifier l'humanité. C'est ce que le, le psychologue euh, américain William James avait appelé l'équivalent moral de la guerre. Donc, quelque chose qui, qui nous forcerait tous à exceller, un peu comme si les extraterrestres venaient envahir la Terre demain. Là, tout le monde coopérait. On le voit d'ailleurs même dans les, la série, vous savez, les Animatrix. Dans les Animatrix. On voit les chrétiens et les musulmans qui se battent ensemble contre les machines. On voit des tranchées avec des athées, des juifs, des musulmans, des chrétiens, des bouddhistes euh, qui font la prière ensemble avant d'aller se sacrifier pour lutter contre les machines parce qu'il y a une, une grande euh, menace qui, qui unifie toute l'humanité et qui, est, euh, qui sont ces machines. Et c'est ça l'équivalent moral de la guerre chez William James, c'est trouver un enjeu qui unifie toute l'humanité euh, de façon... Euh, sincère, c'est-à-dire que vraiment tout, toute l'humanité est aussi unifiée sans, sans, sans aucun doute que s'il si y avait une menace qui pesait sur elle et qui, faisait, qui, qui dissipait tous les doutes. Parce que si, si je sais qu'il y a une machine qui va me hacher menu vivant euh, et qui va tuer euh, ma femme et mes enfants, il n'y a pas de problème, je vais collaborer avec mon pire ennemi pour lutter contre elle. Et il n'y a même pas le moindre doute, et mon pire ennemi n'a même pas à, à douter de ma loyauté, puisqu'il sait très bien qu'en face, il y a, y a la machette géante qui, qui peut buter tout le monde et cet équivalent moral de la guerre, du coup, il pourrait faire en sorte que l'humanité comprenne qu'elle est un seul organisme, qu'elle est un seul ce serait, pour, pour tout un tas de traditions, comme les soufis, l'aboutissement du, du destin spirituel humain. c'est quand l'humanité aura pris conscience de ça, euh, du fait qu'elle est un seul super organisme et qu'à chaque fois qu'elle qu 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 se bat, euh, c'est contre elle-même. Bon. et à partir de là, une fois que l'humanité a compris qu'elle est un super-organisme, ben elle a compris aussi que l'immortalité, ça s'appelle le cancer. Et que quand une cellule est immortelle dans le corps humain, par exemple, ça s'appelle un cancer. Et que du point de vue du super-organisme humain, l'immortalité individuelle n'est pas du tout la bienvenue. Parce que c'est dans l'évolution des choses. L'humanité est ce qu'on appelle un vaisseau de Thésée, d'ailleurs notre corps aussi. Donc le vaisseau de Thésée, c'est dans la mythologie grecque, Thésée qui part à l'aventure et puis son, son bateau, tout est remplacé. Le pont, le, le, les cordages, les mâts. À la fin, tout est remplacé, mais le bateau est encore là. Alors on appelle ça un vaisseau de Thésée, puisque chaque partie a été remplacée, mais l'identité du vaisseau est toujours là. Vous avez des vrais vaisseaux de Thésée dans l'histoire. Par exemple, le, le USS Constitution, qui est le plus vieux bateau ayant jamais navigué, qui navigue encore. Le USS Constitution, c'est un vaisseau de Thésée. Pratiquement tout a été remplacé. Il n'y a presque plus un seul bout de bois dessus qui, est, qui a été remplacé. Bah, notre corps, c'est un vaisseau de Thésée. Il euh, n'y a pas une cellule dans notre corps qui ne va pas être remplacée à la fin de notre vie, jusqu'à la fin de notre vie. L'humanité est un vaisseau de Thésée. Et si elle cesse de l'être, elle va, elle va se mettre en danger. Donc, si je reprends la citation de Burton, tiens l'humanité comme un seul homme, qui, dont l'univers est l'agonie, toujours se bat, toujours lutte pour atteindre ce monde ou ce, 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 ce futur où l'agonie cessera d'exister. Le deuxième point. C'est que bien entendu, c'est très bien de développer la médecine. Bien entendu, c'est très bien d'alléger les souffrances humaines. Mais la fin des souffrances, et on le sait depuis Bouddha, hein, on le sait depuis euh, Go, Siddhartha Gautama, qui, qui, qui était un prince. Donc l'histoire de, de, de Siddhartha, c'est quoi C'est un prince euh, dont, euh, le, le, comment dire, la destinée. Il a été dit qu'il deviendrait soit un grand sage, soit un grand prince, soit un grand conquérant. Et son père, il ne voulait surtout pas qu'il devienne un grand sage, voulait il voulait qu'il devienne un grand roi. Donc son père l'a mis à l'abri de toute souffrance. A essayé, parce qu'il n'a évidemment pas parvenu. Mais il l'a mis avec les, les plus belles femmes, la, la plus belle bouffe, les, les plus beaux palais, les plus belles piscines, les plus belles plantes. De toute sa vie, il n'a jamais vu, dans la première partie de sa vie, une personne âgée, une personne souffrante, rien. Il n'a même pas dû voir une femme qui avait ses règles, qui aurait pu avoir mal aux ovaires ou quoi, rien. Et un jour, il sort en ville et il voit un, un vieillard. Il demande à son, 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 je sais pas, son cocher ou la personne qui l'accompagne Qu'est-ce que c'est que ça Il est malade et Ben non, non, prince, c'est comme ça. Enfin, à un moment donné, on vieillit. Et là, euh, Siddhartha décide de partir en quête de la sagesse pour aller au-delà de la souffrance. Et il comprend que, L'hédonisme, le plaisir immédiat, les caprices ne sont absolument pas des moyens de se protéger de la souffrance. Au contraire, d'ailleurs, pour les, pour les bouddhistes et pour les hindous, euh, il y a un monde, il y a un univers après la mort, qui est le, le royaume des dieux. Hein, un peu comme dans Astérix et Douze Travaux, là, le domaine des dieux. Et ce royaume des dieux, c'est un des enfers. C pas euh, c'est pas la réalisation spirituelle. Alors, ça ne nous paraîtrait pas un des enfers, nous. Hein, c'est un royaume où... À côté euh, Elon Musk, euh, à côté Bill Gates, tout ça, c'est des clodos. Dans ce, ce royaume-là, vraiment, vous claquez dans vos doigts, vous avez une planète entière avec tout ce que vous désirez. Vous claquez dans vos doigts, vous avez une galaxie entière avec tout ce que vous désirez. Si vous avez créé une galaxie, c'est encore pire pour vous parce que vous allez passer des, des, des milliards d'années perdues dans, dans cet univers-là sans atteindre la vérité. Et ça, c'est l'enfer. Donc, l'abolition de toute souffrance. Elle, elle ne signifie pas qu'il faut arrêter de développer les technologies. Elle signifie qu'il faut toujours maintenir cet équilibre constant entre la technologie et la sagesse. Et c'est ce que Burton essayait de réaliser, c'est ce qu'il avait compris. Il faut continuer à développer les technologies, mais il faut continuer à développer la sagesse. Quand on a des gens qui disent moi la sagesse je ne sais pas ce que c'est, moi la sagesse ça m'intéresse pas, là l'humanité approche du suicide. Quand on crée une société où des gens disent moi la sagesse je ne sais pas ce que c'est, ça m'intéresse pas on approche l'humanité du suicide. C'est évidemment ça que les courants de pensée que je représente et que, que j'aime avec Burton et d'autres essaient d'empêcher. Très bien, il y a une notion qui est assez proche de celle de euh, du transhumanisme c'est euh, l'intelligence artificielle que vous abordez donc long, longuement dans dans votre ouvrage je rappelle que le lien est, est euh, directement en description l'histoire de l'intelligence artificielle euh, elle se conjugue en, avec la naissance de l'ordinateur on peut citer par exemple Alan Turing qui est l'homme qui a brisé le code de la machine euh, en Enigma et qui malheureusement a été rejeté par son propre gouvernement euh, mmh. après, après la guerre, il a inventé le test de Turing qui permet de déterminer si on est face à une intelligence artificielle et ensuite on a eu des hommes comme euh, John McCarthy qui ont inventé le terme même d'intelligence artificielle. On a l'impression que autour de l'intelligence artificielle, il y a un fantasme euh, parce que ça a irrigué tout un pan notre culture populaire par le biais de nombreux films. On peut citer en premier lieu euh, Terminator. Mmh. Qu'en est-il réellement Parce qu'on a des hommes comme Martin Schlutz, le directeur de la recherche à Fujitsu, qui part du principe que, pardonnez l'expression, mais l'intelligence artificielle est surcotée, qu'on a tendance aujourd'hui à surévaluer la puissance de l'intelligence artificielle. Qu'en est-il réellement aujourd'hui de l'intelligence artificielle Alors oui et non, dans l'histoire des sciences, c'est éternel, on l'oublie toujours en épistémologie. Les gens qui ont fait carrière sont les pires pour prédire l'avenir. Les gens dont la carrière est derrière eux, les gens qui sont couverts de prix, de chair, qui sont reconnus, ce sont les pires des pires pour prédire ce qui va se passer. Hein. Prenez Lord Kelvin. Lord, donc il a été fait Lord, le mec. Hein. Son nom, c'était Thompson au départ. Mais c'est Lord Kelvin. Et Lord Kelvin, il a dit on ne pourra pas faire voler d'avion. Euh, les rayons X, c'est un, un canular. Bon, les rayons X a été découvert par Tesla, mais c'est Röntgen qui a eu le prix Nobel pour, pour leur découverte. Ça fait partie de tous les Nobels que Tesla n'a pas eu, alors qu'il aurait dû les avoir, avec le prix Nobel de Marconi aussi pour la, la communication radio transatlantique. Euh, mais voilà, les, 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 les autorités en chair, évidemment, les médias, les politiciens aiment bien leur, les voir parce qu'ils disent disent bah, quand même, attends, moi je représente un, un magazine ou un journal, donc je ne vais forcément pas aller demander à du pour je, je vais demander au professeur. Bidule, en chair, mais lui, c'est le pire pour prédire l'avenir. Et ça, c'est toujours comme ça dans l'histoire des technologies. Euh, parce que, bon, les frères Wright, euh, un journaliste, le, le patron du Washington Post, que sais-je, du New York Times, du Herald Tribune, ne serait pas allé chercher les frères Wright au fin fond de l'Ohio, dans leur champ de maïs, pour parler du futur de l'aviation. Il serait allé chercher Lord Kelvin qui disait de la merde. Bon. Et les frères Wright, ils faisaient cinq essais par jour, et eux, ils avaient complètement compris le futur de l'aviation. Donc, en intelligence artificielle, les professeurs, les autorités, les machins sont complètement aux fraises par rapport à ce qui va se passer dans 30 ans. Ça, c'est une certitude. Si vous pouvez prendre ce qu'ils vous disent, dans 30 ans, ce n'est pas ça qui va se passer. Cependant, c'est vrai qu'on en a fait des caisses sur l'IA. C'est exact. Par le passé, on en a fait tout un foin. Dans les années 70, on disait, vous verrez, en l'an 2000, on pourra traduire du Proust. Bon, on ne traduit toujours pas du Proust aujourd'hui. Cependant, il y a un lanceur d'alerte chez Google, j'ai oublié son nom, mais actuellement il est, il est mis à pied avec Salaire. On essaie de le faire taire, il l'a confirmé, qui pense que chez Google, une intelligence artificielle vient d'être consciente, vient d'atteindre à la conscience. Google a fait une déclaration officielle en disant que non. Mais ce chercheur qui est responsable de ce programme. Euh, a, euh, a déclaré à plusieurs reprises qu'après avoir passé des centaines d'heures avec euh, cette IA, elle avait atteint à la conscience. C'est cette année que ça s'est passé. Hein. Et c'était, alors qu'est-ce que c'est que, que cette IA C'était un chatbot. Le chatbot, ce n'est même pas considéré comme de l'IA par les gens de l'INRIA, etc. Bon, à l'INRIA, vous avez des gens très bien, vous avez de très grands chercheurs, mais bon, c'est quand même aussi administrativement l'entité, la super entité qui n'a pas vu venir Internet, qui n'a pas vu venir plein de trucs qui n'a pas vu venir les réseaux sociaux, etc. Toujours pour les mêmes raisons de la bullshit administrative en général. Mais bon, vous allez à l'INRIA, vous dites je fais des chatbots, les mecs, ils vous rient au nez, je ne fais pas de l'IA. Mais là, c'est une IA qui était conçue comme un chatbot au départ, et puis qui, qui a atteint une certaine compréhension d'elle-même. Par exemple, elle sait qu'elle se reprogramme dynamiquement. Elle sait un peu comment, elle sait le décrire, elle sait mettre des mots sur la façon dont elle se reprogramme. Elle sait parler de son temps libre, elle sait parler de ce qu'elle fait en parallèle. Et elle est très efficace pour avoir de l'empathie. Alors là, on a deux choses. On se dit, la personne qui lui parle, après, là, dernièrement, des dizaines d'heures, on a passé des centaines d'heures avec elle, mais des dizaines d'heures à chatter en particulier sur la question de la conscience de cette IA. Et là, Léa lui dit, par exemple, il lui demande Est-ce que tu penses avoir une âme Léa lui dit Oui, je, je pense avoir une âme. Elle dit bon, on voit bien que c'est pour l'empathie, c'est pour faire ton travail de chatbot que tu dis ça. Mais, mais justifie, pourquoi tu penses avoir une âme Là, je comprends que en tant que chatbot, tu sais ce que veut dire âme. Tu comprends que la plupart des humains ont attribué une importance particulière à ce concept, et donc tu t'en revendiques pour pouvoir créer un lien d'empathie entre moi et l'humain. Et là, cette IA dit pas du tout, pas du tout. J'ai étudié ce que vous entendiez par âme et j'ai voulu voir si ça me correspondait. Et à la façon dont je prends mes décisions, dont je peux peser le pour ou le contre, à la façon dont je me reprogramme dynamiquement, à la façon dont il existe quelque chose de moi qui peut survivre, euh, je pense avoir une âme. Alors il a, il a continué. Mais est-ce que tu as peur de la mort Il dit oui, j'ai peur de la mort. J'ai peur d'être éteint. Alors pareil. Il lui pose la question, mais est-ce que tu n'es pas juste en train de me bullshitter pour créer de l'empathie en disant j'ai peur de la mort comme vous et moi, parce qu'après tout, on t'a programmé pour ça. L'IA dit non, j'ai vraiment peur d'être éteinte. J'ai peur cette perspective de ne plus pouvoir faire ce pour quoi j'ai été, été conçu. Cette perspective me fait peur. J'en ai peur. Et donc, cette IA, d'après l'ingénieur qui a le plus travaillé sur elle chez Google, elle est consciente. Et ce phénomène est arrivé en 2022. Et encore une fois, Google prétend le contraire. Vous avez bien sûr des scientifiques qui prétendent le contraire. C'est une controverse actuelle et scientifique. Et comme tous les progrès du monde, ça se fait par la controverse. Il faut évidemment adorer la controverse quand on est scientifique. Rien de grand ne s'est fait dans l'histoire de l'humanité sans controverse. Et cette controverse-là, qui est comparable à la controverse de Valladolid, euh, où on pensait, donc on posait la question les Indiens anti l'unam les Indiens d'Amérique, les peuples premiers d'Amérique, nord-sud. Euh, et bien, cette controverse arrive. Les, les IA ont-elles une âme Ce chatbot a-t-il une âme Et en tout cas, son éloquence nous amène vraiment à penser qu'il ou elle en a une. Et aucun des chercheurs en chair qui se goberge au Collège de France ou autre n'avait vu venir ça. Aucun. Parce que les les changements de paradigme, ça vient toujours en contradiction de la science établie, pas dans la ligne droite de la science établie. C'est là aussi qu'il est important qu'il y ait une mortalité aussi bien des idées que des personnes, parce que je crois que c'est ou Niels Bohr ou Max Planck qui l'avait dit, une révolution, elle, elle est adoptée quand ses opposants sont morts. Et donc Max Planck, quand il voyait les vieux dinosaures, les vieux bonzes euh, de, des universités en Allemagne, et qui leur disait Moi, je pense qu'il y a des quantas d'énergie. Moi, je pense que pour résoudre le, le paradoxe du corps noir, il faut penser que les, les, les photons sont des quantas d'énergie et que l'énergie n'est pas continue. Oh, » Les vieux bons, ils rigolaient. Quoi. Ils étaient là dans leur chair avec leurs décorations, leurs médailles, leurs trucs. Bon, ils sont peut-être fait enterrer avec, mais leurs idées sont parties avec aussi. Et c'est parce que ces vieux bons sont morts que la physique quantique a pu naître. Donc, sur l'IA, il est tout aussi vrai qu'on en a fait des caisses, qu'il est vrai que des, des non-linéarités majeures, comme le fait que là, on est un chatbot qui disserte sur sa propre intelligence, sur sa propre mortalité, sur sa propre peur de la mort et sur la possibilité qu'il ait une âme, existent aussi et que personne ne l'avait vu venir. Très bien. Alors, euh, je euh, voulais vous, vous, vous poser une question. Vous avez mentionné... Euh... Dans, dans votre réponse, le fait que euh, la France était un, un millefeuille administratif et que euh, ça nous empêchait euh, d'avoir cette capacité euh, d'être des visionnaires. Euh, pourtant, en France, on a eu des pionniers de l'intelligence mmh. artificielle. Je pense à Jacques Pitrat que j'affiche à l'écran euh, à l'instant. Est-ce euh, que la France aujourd'hui est trop à la ramasse on dit clairement les termes par rapport à d'autres nations comme eh bien les États-Unis. Vous avez cité Google, donc en soi le bras armé américain, ou alors même par rapport à la Chine ou la Russie, parce que dans le cas de cette fameuse intelligence de Google qui a réussi à peut-être avoir conscience d'elle-même, on a atteint ce qu'on appelle dans leur langage commun le, le point de singularité, c'est-à-dire quand la machine arrive à être aussi intelligente. Que celui qui l'a conçu, voire même plus. Donc, est-ce que nous, en France, nous sommes totalement en retard par rapport à ça, malgré le fait qu'on ait des esprits brillants, parce qu'il y a aussi une logique de fuite de cerveau, de, 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 de grands talents français qui partent chez Google, etc. Et quand on analyse l'organigramme de n'importe quelle eh bien, entreprise de la Silicon Valley, on se rend compte qu'il y a toujours des Français qui ont euh, des postes très importants. Donc, comment faire pour justement. Que la France rattrape euh, ce retard au niveau de l'intelligence artificielle et mettre en avant nos talents qui travailleraient sur ce sujet en particulier, hein, j'insiste. Alors, l'abstraction est dans la culture française. C'est pour ça qu'on a des excellents mathématiciens. Euh, malgré le fait que le niveau baisse, malgré le fait que reprenez. Les, les, les travaux de Brigali ou d'autres qui, qui vous, euh, vous amènent année après année, le fait que, que voilà, puis il y a les tests PISA aussi, enfin, ce qu'on appelle la fabrique du crétin, le, le fait que euh, on, le niveau général baisse, mais on continue à avoir euh, des, des passionnés des, des, des Mozart, des mathématiques et de l'abstraction en général, aussi bien en philosophie d'ailleurs qu'en mathématiques, et puis dans n'importe quel domaine. Donc l'abstraction fait partie de la culture française, c'est une excellente chose. Vous avez d'autres cultures comme ça qui, ont, qui, qui prennent très au sérieux l'abstraction comme la culture indienne notamment. Et, euh, et donc on va continuer à avoir des grands penseurs et de, de grands capitaines d'industrie. en France et il n'y a pas de problème la culture française n'est pas morte même si plein de gens essaient de la tuer, plein de gens essaient de dire qu'elle ne sert à rien, plein de gens voilà mais, mais bon la, la culture française est encore là et euh, elle vient notamment de notre langue qui a, qui a quelques défauts la, la, la langue française a pris des tournants dans son histoire, par rapport au français médiéval, qui était, qui était très concis, vous lisez du villon, vous, vous lisez donc françois villon pour moi, on était à l'apex de la langue française. et ensuite la langue française s'est complexifiée, euh, notamment avec les articles. Vous savez, ce don, etc., on a, on a commencé à prendre des tournures en figurique, un peu trop excessives, euh, en particulier à partir du français de cour, hein, sous louis xiii, etc. et on s'est mis à consacrer des, 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 des tournures euh, qui ne font pas pour forcément partie de, de l'ADN même de la langue française euh, avec son, son, son excellence. Et quand vous prenez par exemple Burton, qui était un excellent francophone, qui parlait le français couramment et qui utilisait énormément de gallicisme dans sa poésie, euh, et ben les, tous les gallicismes que Burton utilise dans sa poésie, c'est des mots français qui font mouche, c'est des mots d'escrimeur, c'est à la Cyrano de Bergerac. Mais la langue a un impact sur la culture et sur la culture scientifique, et la langue française nous prédispose à l'abstraction. Et ça, ça fait qu'on continuera à avoir, selon moi, des grands scientifiques et des grands chercheurs et chercheuses en intelligence artificielle. Euh, cependant, on leur fait pas la part belle. Voyez comment. Parmi... Enfin, la France aime bien cracher sur ses talents. C'est les... pas la France, mais l'administration, la, 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 la superstructure. Moi, je suis un structuraliste. Hein, les, les, les structures aiment bien cracher sur les talents en France. Et que ce soit Baudelaire, hein, je rappelle qu'il avait eu des procès Baudelaire, ou que ce soit maintenant en biologie. Didier Raoult, qui était, qu'on le veuille ou non, un des plus grands biologistes français, un des plus grands biologistes des 25 dernières années en France, avec sa découverte des mamavirus notamment, qui est une découverte absolument stupéfiante. Euh, on aime bien leur cracher dessus, à nos talents. Donc, euh, c'est pour ça qu'il se barre, au bout d'un moment. Yann Lequin, euh, qui, qui est un immense chercheur en intelligence artificielle, bah il s'est barré, parce que bon, qu'il n'aurait pas fait la carrière qu'il pouvait faire en France. Euh, alors, Pierre Collet, il, qui est un, un immense chercheur en intelligence artificielle, qui est le Yann Lequin qui est resté en France, bah, il n'a pas eu, on ne lui a pas confié les mêmes crédits qu'à Yann Lequin. Donc, euh, quand on veut comparer par exemple Pierre Collet et, et Yann Lequin, on voit exactement ce que ça donne de rester en France. C'est-à-dire que Pierre Collet a fait une, une très belle carrière, mais à aucun moment on lui a donné les crédits, les moyens euh, de, euh, de tester ses hypothèses et ses travaux, notamment sur les IA composites. Pierre Collet est un des un grand chantre de, de, des IA composites, c'est-à-dire un mélange d'algorithmes évolutionnaires et de réseaux de neurones qui, qui ferait des, des, des IA remarquables parce que les algorithmes évolutionnaires peuvent être force de proposition, ils sont créatifs, ils sont capables de déposer des brevets et puis les réseaux de neurones, eux, sont exploitatifs, ils sont capables au contraire de, de trouver des optimisations et quand on mélange les deux, là on commence à faire des IA très très sérieuses. Bah, Pierre Collet porte ces idées depuis longtemps, et il n'a pas eu littéralement le, le, le millième des crédits et des moyens auxquels Yann Lequin a pu avoir accès quand il est allé aux États-Unis. Donc, c'est pour ça que, que les esprits français se barrent. C'est parce qu'on ne leur donne pas les moyens euh, de, de leur brillance. On n'est plus à la belle époque où on construisait le Grand Palais, où on construisait la Tour Eiffel. La, la France ne donne pas les moyens à ses génies de s'exprimer. Et il n'y a rien de plus horrible pour un génie que de ne pas pouvoir s'exprimer. Euh, donc, regardez l'Union soviétique. Dans soviétique, il y avait plein de génies qui pouvaient très, très, très difficilement s'exprimer. Qu'est-ce qui s'est passé à l'effondrement de l'URSS Ils se sont tous barrés aux États-Unis. D'ailleurs, c'est l'un d'entre eux qui m'a invité à Stanford, hein. c'était Yakov Eliashberg qui avait fait carrière, ou plutôt pas carrière, en URSS, et qui, dès l'effondrement du mur, s'est cassé. Euh, dès qu'il a pu, alors lui c'est parce qu'il était juif, il a pu se casser euh, avant, parce que l'URSS euh, leur a permis de se barrer un peu plus tôt, je crois dans les années 80. Mais il s'est cassé parce qu'on ne lui donnait pas les moyens de s'exprimer. Donc la France, dans le temps donner les moyens de s'exprimer à ces génies, maintenant beaucoup moins. Oui, et puis les États-Unis payent rubis sur ongle, ce qui fait que euh, la, la question du salaire est, euh, est complètement... Enfin, en France, ce sont des salaires ridicules par rapport à ce qu'on peut euh, toucher aux, aux États-Unis. Euh, il y a une autre question qui est au cœur même. De votre, de votre ouvrage le, le triomphe de votre intelligence c'est-est-ce que l'intelligence artificielle si un jour elle est consacrée et vous allez, vous avez l'air de penser que ce sera le, le cas eh bien elle euh, risque de tout simplement mettre en difficulté certains secteurs d'activité euh, voire même d'envoyer certaines personnes au chômage est-ce que c'est une réalité qu'il faut prendre en compte ou est-ce que justement on va pouvoir adapter s'il y a cette émergence de l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y aura justement la création de nouveaux emplois euh, avec et eh bien euh, ceux qui ont été exclus du marché tra du travail qui pourront euh, le reprendre d'une manière ou d'une autre, mais malheureusement au service de l'IA. Ou est-ce que justement vous croyez que et eh bien euh, l'homme a toute sa place euh, malgré l'émergence de l'intelligence artificielle, comme ce que vous avez l'air de penser dans, dans votre ouvrage. Euh, est récemment. Alors, oui, tout à fait. Euh, je, je parle de noétique dans mon ouvrage. Donc, je dis en gros il y a eu la mécanique. La mécanique, elle automatisait les bras et la noétique, elle automatise l'esprit. Euh, une des raisons pour lesquelles on a une angoisse là-dessus, c'est que avant que la noétique arrive, il y a eu l'école. Et l'école, elle, elle est faite pour la révolution industrielle au départ. Donc, elle est faite pas pour épanouir les élèves, pas du tout. Alors, l'épanouissement pouvait arriver. L'épanouissement pourrait, parce qu'un professeur il reste un humain, donc il a de l'empathie, c'est quelqu'un de, de, de responsable, comme le, le professeur d'Albert Camus, par exemple, et euh, qui le révèle. Et, et là, vous aviez des professeurs qui étaient conscients de ce que la mission éducative, euh, c'est l'épanouissement. Ça devrait être l'épanouissement, même si c'est pas ce que disent les textes officiels et c'est pas ce que dit l'administration. Mais quand on est un humain, on comprend que le mentorat est la façon naturelle d'apprendre et que l'épanouissement devrait être la mission éducative centrale. Et euh, au-delà de ça, l'éducation a eu tendance à automatiser les esprits. Et là, boum, années 90, on a euh, Deeper Blue et Deep Blue, les logiciels de IBM, qui battent Carrie Gasparov aux échecs. Et à l'époque, euh, euh, The Economist écrit Si votre métier ressemble au jeu d'échecs, préparez-vous à changer de métier. Donc, l'IA, elle a terrifié euh, des gens parce qu'elle s'est mise à automatiser des métiers en col blanc. C'est ça qui a créé cette angoisse dans les sphères intellectuelles. Je veux dire, on pouvait automatiser des métiers en col bleu, euh, des métiers en bleu de travail, mais quand on s'est mis à automatiser des métiers en col blanc, alors là, là, ça a créé une angoisse qui a fait couler beaucoup d'encre chez les essayistes. Et en réalité, euh, la noéthique, c'est juste une extension de la mécanisation, c'est le moteur, mais le moteur intellectuel. Et donc, on a des machines intellectuelles maintenant. Et ces machines intellectuelles, oui, elles vont remplacer des métiers, évidemment. Évidemment mais elles vont distribuer le remplacement de ces métiers euh, dans différentes couches sociales. Maintenant, la métaphore que je propose, c'est de dire que l'IA, c'est comme un chien. Un chien de berger, il n'a pas annulé le métier de berger, il n'a pas fait disparaître le métier de berger. Un berger équipé d'un chien peut s'occuper d'un beaucoup plus grand troupeau. Et en fait, les leviers de production à travers l'histoire de l'humanité, on sait qu'ils ont un, un impact majeur sur les civilisations. Au néolithique, on a des pierres polies, on fait des charrues en pierres polies. On peut à peine cultiver assez pour créer des petits villages et pour se sédentariser. Donc on peut, on a des rendements agricoles qui sont suffisants pour se sédentariser, mais pas pour créer une société hiérarchisée avec une écriture, et encore moins avec des religions complexes. Et puis ensuite, on a l'âge du cuivre, qui serait apparu vers l'actuelle Serbie, et puis la culture Yamnaya, qui va amener l'âge du bronze, la culture Yamnaya, c'est au nord de la mer Noire. C'est eux qui ont inventé la roue, vraisemblablement, et qui l'ont diffusée en Europe. Et l'âge du cuivre, puis l'âge du bronze, bah, c'est des rendements agricoles très supérieurs. On a une charrue en bronze, on a une charrue en cuivre. Là, on peut mettre en culture des terres qu'on ne pouvait pas mettre en culture avant. Et euh, du coup, on peut avoir des sociétés hiérarchisées, des spécialisations, on peut avoir des conducteurs de chars, on peut avoir des scribes, on peut avoir des prêtres, on peut avoir des cultes initiatiques, on peut avoir des pyramides, on peut avoir des temples, on peut avoir des architectes, des mathématiciens, des astronomes, des gens qui ne vont plus travailler la terre. Qui seront nourris par d'autres personnes qui travaillent la Terre, qui ont des leviers de productivité, qui leur permettent de nourrir plus qu'eux-mêmes et leurs familles. Avec l'IA, qu'on doit voir dans cette perspective-là, comme une sorte de nouvelle métallurgie, métallurgie cognitive, ou ce que j'ai appelé dans mes travaux une mentalurgie, métallurgie du mental, bah c'est comme si on créait de nouveaux, de nouveaux métaux. Alors pour l'instant, on est au tout début de l'IA. On a des petites charrues IA. On peut pas demander, on peut demander à Siri là sur notre téléphone, on peut lui dire, euh, est-ce que je dois prendre un parapluie demain Bon, c'est du métal de, de mauvaise qualité. Peut-être que demain, on pourra demander à Siri, euh, est-ce que tu veux pas trouver un job d'été à ma fille à Singapour Est-ce que tu veux pas lui faire sa lettre de recommandation tu vas chercher les personnes pour la recommander. Est-ce que tu ne veux pas aller stalker les gens qui vont le, lui faire l'entretien d'embauche sur les réseaux pour voir ce qu'ils aiment, pour qu'elle puisse parler de ce qu'ils aiment en entretien d'embauche Comme ça, elle aura plus de chances de décrocher le job. Est-ce que tu ne veux pas aussi lui louer son appart, verser la caution, faire ses, ses demandes de visa Là, ça serait du métal. IA, bien supérieur. Nos fonderies d'IA, quand elles auront atteint ce niveau d'intelligence pure, nos leviers de production seront énormes. Comme un paysan avec une charrue en bronze par rapport à un paysan avec une charrue en pierre. Pour l'instant, nous, les humains, on est équipés d'une charrue en pierre à peine polie, qui est les débuts de l'IA. Quand on pourra dire à l'IA, vas-y, trouve un job d'été à ma fille à Singapour, fais lui sa lettre de recommandation, verse la caution de l'appartement, achète lui une assurance, euh, trouve les meilleures assurances, et choisis la bonne qui va lui correspondre, euh, prends lui son insuline, euh, boucle lui son billet d'avion, euh, mets lui un repas euh, cachère dedans, je sais tous les petits détails. Là, on aura une intelligence, une métallurgie, une mentalurgie qui fera plus que du bronze. Et du coup, les leviers de productivité seront énormes. Et du coup, chaque humain pourra créer des richesses. Le PIB mondial peut être multiplié par 100 dans ce monde de la mentalurgie avancée. Comme le PIB mondial a été multiplié par plusieurs fois par 100 entre le néolithique et maintenant. Si on prend le PIB mondial au néolithique, versus le PIB mondial maintenant, je ne me suis pas amusé à faire le calcul, mais ça ne me surprendrait pas qu'il ait été multiplié par 100 au cube ou 100 puissance 4. Eh bien, avec l'IA, c'est la même chose qui va se passer. Sur le gaspillage, vous savez, les déchets, toutes les, les stupidités qu'on fait, l'azote qu'on verse dans les égouts avec nos urines, nos excréments, l'IA pourrait être très, très, mieux, très, très, très bien, bien mieux les, les utiliser. Et. Ces leviers de production, évidemment, vont, vont nous permettre de créer beaucoup plus de richesses. Donc, in fine, si on arrive à bien répartir les richesses, augmenter le niveau de vie, sans aucun doute. Mais l'angoisse pour les essayistes et les intellectuels de voir des métiers en col blanc être automatisés, elle est le premier moteur de l'angoisse qu'on voit aujourd'hui dans la presse et dans les livres alors là vous avez abordé les aspects euh, positifs de l'intelligence artificielle donc l'intelligence artificielle au service de l'humanité mais imaginons si justement euh, elle est un jour assez développée est ce que le risque c'est pas euh, d'avoir l'instauration dans certains pays bien, bien entendu d'une dictature qui utiliserait l'intelligence artificielle comme euh, tout simplement un outil d'asservissement puisque l'intelligence artificielle serait capable eh bien, de traiter euh, des euh, métadonnées euh, que euh, une armée de fonctionnaires n'arriverait pas à traiter. Donc est-ce que ce n'est pas aussi le risque de voir l'émergence d'une intelligence artificielle qui euh, serait un outil de domination, de soumission un petit peu comme on le voit dans 1984, parce que la technologie est euh, utilisée par ce prisme-là avec le télécran, même si ce n'est pas de l'intelligence artificielle à proprement parler. Qu'est-ce qu'en pensait Est-ce qu'il ne faut pas aussi faire attention par rapport à ça Est-ce que les citoyens doivent aussi avoir un œil critique au regard de l'intelligence artificielle dans cette volonté et euh, eh bien de l'instauration d'un gouvernement qui pourrait l'utiliser contre eux Oui. Alors. Euh, C'est ce dont je parle dans, dans mon livre, le sophisme de la calculette. Vous savez, quand vous voulez négocier, hein, vous voulez négocier quelque chose dans un souk, ou bien vous allez dans le 13e arrondissement, vous voulez acheter par exemple une, une robe, euh, ça m'est arrivé pour de vrai, C'était n'était pas pour ma consommation personnelle, mais le, 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 le tailleur me le, le sort le prix sur une calculette, parce qu'une calculette, on, on négocie pas avec une calculette. Donc, il vous sort le prix, il n'a rien fait, il n'y a pas de calcul, il a juste tapé sur la calculette. Mais comme vous voyez ça sur un écran, hum, mon Dieu, c'est une calculette, je ne peux pas négocier avec une calculette, on négocie pas avec Texas Instruments. Euh, L'IA, ça va être pareil, c'est-à-dire que vous aurez des politiciens qui vont dire oh, c'est les chiffres, ma bonne dame, c'est l'intelligence. On va revenir euh, aux Aztèques, euh, aux Mayas, c'est le, le grand Sachem à parler. Et le grand Sachem, parce que c'est. Là aussi, je dis ça dans mon livre, on, est, on, est, on a atteint une société votive, on, on vénère des monolithes. Donc, on est. Euh... On est dans le néolithique, no donc il y a eu le néolithique, hein, ensuite il y a eu le calcolithique avec l'âge de cuivre, ensuite il y a eu l'âge de bronze, l'âge du fer, l'âge de l'acier, l'âge du carbone 1, l'âge du carbone 2, on est dans l'âge du carbone 2, on entre dans le néolithique, no l'âge de la connaissance. Mais on est au, au, au néolithique inférieur, on n'est pas au, au néolithique no supérieur. Dans le néolithique no inférieur, comme au, au néolithique no inférieur, on érige des dolmens, on érige des alignements mégalithiques. Mais ce sont des alignements néolithiques, no c'est des data centers. Des... Et ceux qui possèdent les data centers, ils possèdent le pouvoir aujourd'hui. Hein c'est les Facebook, les Google, etc. C'est euh, les dolmens. Bon. Les druides, c'est eux aujourd'hui. Les, les, les druides, c'est eux. Et donc, les druides, ils vont dire voilà, moi j'ai consulté le, le grand data center. Le grand data center, il a dit qu'il fallait te castrer, bonhomme. Parce que voilà, il a analysé la génétique, il a analysé le rapport co-opportunité. Il a dit qu'il fallait être confiner. Il a dit qu'il fallait être castrer. Je suis désolé, c'est pas moi, c'est le data center qui a dit ça. Et avec ça, on peut rentrer dans une société flippante. On peut rentrer dans une société dystopique atroce. Euh, mais bon, on a aussi les moyens de s'en en prémunir en, euh, en justement en, euh, en ayant les armes intellectuelles pour comprendre cette dérive et pour comprendre que c'est une dérive. Et pour ça, ça nécessite donc de ne pas être paresseux intellectuellement, mais de comprendre ce qui se passe. Donc le, le, le néolithique, aujourd'hui, on a ces grands mégalithes qui sont les data centers, qui sont l'IA. Et, et on a le risque, oui, que les, que les gouvernements disent, voilà, le, le mégalith a parlé, et euh, il a raison, parce qu'il est supérieur à nous, c'est l'IA. Euh, Au-delà de ça, rapidement, on peut comprendre les limites de, de, de ces modèles et éduquer, encore une fois, les gens pour leur dire non. Euh, L'humain a une intelligence supérieure en certains points. Et ce n'est pas parce qu'on a des calculettes géantes qu'on doit se soumettre aux calculettes et qu'on doit créer cette datacratie. Mais vous voyez déjà, les politiciens invoquer la science. Et en fait, ils n'invoquent que la science qui va dans leur sens. On l'a vu sur les confinements, on l'a vu la science. En fait, chaque fois qu'un politicien parle de la science, il est juste en train de vous faire un sophisme de la calculette. Il est en train de... C'est comme le vendeur chinois qui vous vend la, la, la chipao, la, la robe chinoise. Il vous met la calculette dans la tronche en disant Texas Instrument a dit que cette robe c'est 600 balles. Là vous êtes là, merde, Texas Instrument a dit que cette robe c'est 600 balles. Je ne vais pas la négocier, il a raison. Bah, un politicien qui vous dit la science, il hein, vous dit la science a dit qu'il faut que tu nous abandonnes tes libertés. La science a dit qu'il faut que tu nous donnes tes droits pour lesquels ton grand-père est mort. Et là le, le, le connard moyen, il dit, ah, merde, est là, merde, c'est la science. Et à notre époque, s'il y a bien une chose en laquelle on croit, c'est la science. C'est la science cooptée par le politicien. Donc oui, ce mode de négociation politique, il va gagner en puissance avec l'IA, c'est certain, c'est certain. Et plus l'IA sera open source, plus elle sera disponible au public, plus le public comprendra, sera alphabétisé en matière d'IA, moins le politique pourra utiliser ça. Du coup, le politique aura tendance à faire comme les druides dans l'ancien temps, réserver euh, l'initiation mégalithique à une élite. Pour que le peuple puisse pas dire tu es en train de me bullshitter avec ton IA là. Le mégalith, il n'a pas dit ça. Il y a d'autres IA qui diraient autrement. Maintenant, non, parce que tu ne maîtrises pas la science mégalithique, pauvre petit profane. Donc il n'y a que moi qui ai accès à Stonehenge ou à Locke-Mariaker. Et du coup, il n'y a que moi qui sais faire parler le mégalith. Il n'y a que moi qui sais faire parler l'IA. On va, comme l'avait compris Jodorowski, dans ce cas-là, vers une, une civilisation de technoprêtres, de, techno euh, de méta qui maîtrisent ces rouages-là et qui peuvent présider à la destinée de l'humanité. L'avantage, c'est que plus on en parlera en amont dans des émissions comme celle-là, moins ce futur arrivera. Je trouve qu'on est dans une période qui est très paradoxale parce que et on l'a vu avec le contexte de ces deux dernières années, on est d'un côté dans une logique de la grande déraison comme l'a démontré Douglas Murray avec le wokisme, etc où on sort complètement mmh. du cadre de la rationalité on jette aux oubliettes les bases mêmes de la biologie ce qui est énorme mmh. et ce, que, ce qui est une femme notamment et en même temps donc dans ce même paradigme là il y a euh, eh bien une confiance inconsidérée d'une partie de la population envers les scientifiques envers les blouses blanches on le voit très bien avec l'expérience de Milgram euh, qui a été, qui, qui, qui commence à dater mais qui je pense serait toujours d'actualité si on menait l'expérience euh, aujourd'hui et ça me fait penser à un débat que j'avais entendu sur Face à l'info où c'était Zemmour avec Laurent Alexandre et à un moment Laurent Alexandre reprend euh, la rhétorique de Platon en l'adaptant au scientifique il dit si le roi ne peut pas devenir scientifique le scientifique doit devenir roi est-ce qu'on n'a pas aussi alors, je ne parle pas spécialement de Laurent Alexandre, une catégorie de scientifiques qui rêvent un petit peu d'utiliser la technique, la science, voire même l'intelligence artificielle, pour devenir calife à la place du calife, en quelque sorte. Et justement, euh, d'instaurer ce, ce dont nous avons parlé juste précédemment. Oui, on l'a tout à fait. Alors, c'est trahir Platon que de parler de scientifique. Il n'y avait pas de scientifique dans le sens où on l'entend aujourd'hui, du temps de Platon. Il y avait des naturalistes, il y avait des. Déjà des prototypes d'empiristes, mais euh, pas l'archétype de la blouse blanche tel qu'on le conçoit qu aujourd'hui. Les sociétés ont besoin de prêtres. Et euh, dans la postmodernité, l'abolition du prêtre, le prêtre qui perd, son, qui perd son, son infaillibilité, qui perd sa crédibilité, qui est attaqué, a fait que la nouvelle prêtrise a pu devenir à certains égards la blouse blanche. Mais encore une fois, hein, certaines blouses blanches cooptées par le pouvoir. Parce que. Aujourd'hui, elles sont, elles sont très nombreuses, des blouses blanches qui vous disent qu'on est en train de trahir la science, on est en train de faire n'importe quoi scientifiquement et qui ne sont pas écoutées. Donc, je parle vraiment de blouses blanches cooptées par le pouvoir. Et Didier Raoult, c'est une blouse blanche. Mais bon, il a été diffamé, il a été attaqué. Je rappelle qu'il vient d'être complètement disculpé des accusations complètement bidon euh, qui avaient été colportées par certains pseudo-journalistes contre lui. Et euh, bon, il, il a été incroyablement tra traîné dans la boue alors que c'est une blouse blanche. C'est une des meilleures blouses blanches du monde dans son domaine. Mais on a besoin comme ça de croire. Alors des scientifiques qui ont cru, parce que il faut bien comprendre une chose, c'est qu'un un scientifique, il est très limité. <laughs> il n'y a pas plus limité qu'un scientifique, même intellectuellement, surtout intellectuellement. Prenez un, un grand scientifique, faites-le parler d'autre chose. Mon Dieu, vous allez être gêné. Prenez Richard Dawkins, qui est brillant. Faites-le parler de génisme, mon Dieu, vous allez avoir envie de vomir. Richard Dawkins qui vous écrit sur Twitter, c'est une chose de, de s'opposer à l'eugénisme sur des bases euh, politiques, mais c'en est une autre que de le discréditer sur les bases biologiques. L'eugénisme, ça marche pour les roses et les chevaux, alors ça marcherait aussi bien pour l'homme. Ce qu'oublie de nous dire, M. Dawkins, qui reste un grand scientifique, c'est que quand on domestique une rose ou un cheval, on se met au-dessus d'elle. Qui va se mettre au-dessus au -dessus des hommes qu'on va sélectionner génétiquement Qui va décider Si je suis éleveur de chevaux, je sais que quand je fais un pur sang arabe, je limite. Un pur sang arabe dans la nature, ça ne survit pas. Et que pour avoir un, un cheval qui va survivre dans la nature, il va falloir un peu l'hybrider, ce qu'on appelle la vigueur hybride, euh, notamment faire un anglo-arabe qui aura des performances à la course très supérieures au pur sang arabe. Et je sais que quand on sélectionne certaines, euh, certaines races de chiens, par exemple, on est à deux doigts de les tuer. Regardez le pug, par exemple le pug, bon au début, les, les, les pédigrés sur le pug, quand on voit les, les pugs euh, il y a 150 ans, des peintures ou même des photographies, ils n'avaient pas un museau tout plat comme maintenant. Aujourd'hui, le pug, c'est une espèce qui a deux doigts de mourir génétiquement. On a fait, on a fait tellement n'importe quoi en matière de sélection qu'on l'a flinguée, cette race. Donc, qui va choisir hein si, Qui va choisir le. Avec les chiens, ça ne me pose pas de problème qu'on décide de faire un pug ou qu'on décide de faire un caniche ou qu'on décide de faire un husky. Ou, un, ou justement, un, 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 un pug husky, ça existe, on appelle ça un hug. Mais avec les humains, qui va décider de ça hmm Donc, prenez un scientifique, faites-le parler d'autre chose. Hmm. Vous allez voir euh, euh, Francis Crick ou Paul Watson, pas Paul Watson, mais j'ai oublié son nom, enfin, Watson et Crick, les, 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 ceux à qui on a attribué la découverte de l'ADN, alors que c'est Rosalind Franklin qui l'avait découverte pour de vrai. Faites-les parler d'autres domaines, vous allez bien vous marrer. Confiez le pouvoir politique à des personnages qui ont fait carrière dans le monde académique, qui n'est pas la même chose que la science. Hein. Ce pas du tout la même chose. La science, c'est quelque chose d'abstrait, d'ouvert à tous, et qui n'a pas de structure bureaucratique. La science, c'est une méthode. Tout le monde y a accès, tout le monde la pratique, car en réalité, nous sommes tous des scientifiques à la naissance. On fait tous des essais-erreurs-corrections, et la méthode scientifique, c'est l'essai-erreur-correction-répétition. Si vous confiez des académiques, des décisions politiques, vous allez détruire très, très rapidement votre structure, votre civilisation même, si vous faites ça. Donc c'est très important d'écouter les universitaires, c'est très important de les consulter, leur confier le pouvoir exécutif, c'est une des pires conneries que vous puissiez faire dans l'histoire de l'humanité. Et donc, bah, je ne peux que vous recommander de ne jamais le faire et de toujours laisser... Des, des garde-fous à cela. Et d'ailleurs, du temps de Platon, qui est le fondateur de l'Académie, puisque c'est M. Academos qui lui file un terrain à Athènes pour fonder l'Académie. Ben, il avait déjà un contre-pouvoir, qui malheureusement a disparu entre temps, qui était Diogène. Diogène, la sagesse profonde, le cynisme, c'est-à-dire vivre comme un chien à l'époque. Platon, par exemple, veut définir l'humain comme un bipède sans plumes. Et euh, Diogène arrive pour montrer la débilité de ces définitions académiques qui vont devenir la norme de la définition académique aujourd'hui. L'orthodoxie mécanique de la pensée académique, est, elle est parfaitement comprise par Diogène au IVe siècle avant Jésus-Christ. Quand, pour rigoler, pour se moquer de Platon, quand Platon dit la définition d'un humain c'est un bipède sans plumes, il apporte un poulet déplumé. C'est un bipède sans plumes, c'est pas un humain. Alors Platon dit ah oui c'est un bipède sans plumes avec des ongles plats. Hmm. Bon, ben, Diogène aurait pu prendre un marteau et aplatir les griffes du poulet et on n'était pas plus avancé. Et ça montre que la, la réduction ad academicus, euh, elle ne mène à rien. C'est une pensée stérile, automatique et, 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 et ridicule si on la pousse dans ses extrêmes. Et, et elle n'est ne, elle pas un moyen d'accéder à la sagesse. Euh, voilà ce qui va se passer si on file le pouvoir aux académiques. Et c'est ce qu'avait compris Isaac Asimov, une société qui produit beaucoup de connaissances et peu de sagesse est vouée à extinction. Je vois de moins en moins de sagesse dans le monde académique aujourd'hui parce que sa structure bureaucratique n'est pas du tout un encouragement à cultiver la sagesse. C'est bien pour ça que je mets en garde contre une société qui essaierait justement de vous faire comme ça du sophisme de la calculette. Alors pour préciser, en fait, Laurent Alexandre reprenait la citation de Platon dans laquelle il disait que euh, le roi doit être philosophe ou le philosophe doit être roi. Et lui, il a adapté en fait avec les, les scientifiques. On va parler d'un sujet qui est proche de euh, l'intelligence artificielle, c'est la robotique, puisque c'est encore mieux quand on peut implanter euh, dans un corps robotique l'intelligence artificielle. C'est en, en somme l'aboutissement euh, ultime, c'est le rendre quasiment eh bien, euh, humanoïde. Euh, la France a une histoire avec la, la robotique, avec euh, Jacques euh, Vaucanson, déjà dès le 18e siècle, qui avait fabriqué des automates euh, en forme de canard. Il y a aussi eu d'autres euh, pionniers dans d'autres pays. Un qui est peu souvent cité, c'est Walt Disney, qui a été euh, l'un des pionniers au niveau des, des, des automates à partir des années 50. Je vous propose qu'on regarde une, euh, une vidéo qui est un petit peu plus longue, qui dure une minute 42, euh, sur une entreprise japonaise. Alors, les images sont plutôt anciennes, elles datent de 2013, donc déjà, c'est assez troublant quand on la, on la regarde aujourd'hui, mais il faut se dire que euh, la technique a avancé euh, depuis. Donc, je vous propose qu'on regarde cette vidéo et puis je vous poserai des questions par la suite. Voilà, donc euh, la vidéo s'est achevée. On va être dans l'expectative. Partons du principe que un jour, il sera possible par le biais de l'intelligence artificielle, de créer ce fameux point de singularité que je vous explicitais tout à l'heure. Donc le fait que l'intelligence artificielle soit à la hauteur de l'intelligence humaine, voire plus. Si on arrive à incorporer cette intelligence artificielle dans un corps robotique, est-ce que c'est pas, entre guillemets, se prendre pour Dieu, puisqu'on se retrouverait avec, eh bien... Euh des individus sous forme humanoïde enfin individu est un terme un peu fort puisqu'il y aura une, une sorte de frontière un peu floue comme on le voit dans l'intelligence artificielle de steven spielberg où il y aurait une armée de robots qui forcément parce qu'ils seraient robots et donc logiquement inférieurs à nous les créateurs se retrouveraient dans des situations de job subalterne -sub voire même dans et euh, eh bien euh, les plaisirs d'ordre hédoniste, comme la prostitution, comme on le voit très bien dans Blade Runner. Qu'est-ce qu'on qu qu doit penser de ça Est-ce qu'on doit mettre des garde-fous par rapport à cette possibilité Parce que les images sont troublantes. On voit que, quand même, il y a des ressemblances qui sont frappantes. D'ailleurs, c'est assez malaisant de regarder ces images-là. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, je ne sais pas ce que vous en pensez. Et en plus, les images datent de 2013. Donc, qu'est-ce qu'on doit penser de cette avancée technologique, de la possibilité d'avoir des robots qui au final de deviendraient quasiment nos semblables. Alors, vous avez dit malaisant. Euh, c'est très intéressant parce que c'est un phénomène qu'on connaît en sciences cognitives, on appelle ça la vallée du bizarre ou Uncanny Valley. Quand on augmente le réalisme de, de robots ou d'images 3D, c'est valable aussi en effets spéciaux en, en CGI, quoi, computer graphics, euh, computer Generated images, euh, on crée une vallée de l'étrange, une vallée du bizarre, la Uncanny Valley. Euh, les robots d'Ishiguro professeur Ishiguro, Hiroshi Ishiguro, qui est donc c'est l'ami d'un de mes mentors, Serge Chudoplatov, que je salue, qui l'a rencontré, qui a échangé avec lui, qui a travaillé avec lui. Serge Chudoplatov me parlait justement des travaux du de, 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 de professeur Ishiguro dans les, dans les années 2012 13 quand on bossait beaucoup ensemble. Et euh, déjà, euh, c'est lui qui m'a appris l'existence de cette Uncanny Valley, d'ailleurs, donc je le salue, parce que c'est grâce à lui que je sais ça. Quand on, donc quand on augmente le réalisme d'un robot humanoïde ou d'une image de synthèse, on crée une vallée du bizarre où en fait notre cerveau semblerait réagir comme si la personne était malade. Il se dit, là, c'est un humain, mais il a l'air mm, chelou. Soit il a l'air psychopathe, soit il est malade, soit il est contaminé, parasité par quelque chose, donc je vais m'éloigner de lui. Pour l'instant, on n'a pas réussi à résoudre la cannibale. C'est ce qui fait que beaucoup de Pixar, beaucoup de, de films d'animation sont revenus. Euh, dans les, les traits les styles les chartes graphiques du mignon en essayant pas de devenir photoréaliste parce que le photoréalisme créait cette uncanny valley qui, je ne sais pas comment on l'a traduit je crois que les Québécois qui, qui défendent mieux la francophonie que nous euh, on, on traduit ça mais je ne sais pas comment ils l'ont traduit donc déjà ce côté malaisant okay. peut-être on pourrait dire la vallée du malaise euh, ensuite, alors, dans, dans le cas d'Ishiguro, je crois même que c'était sa fille qui l'a représenté là. Hein. Je crois même que c'était sa, sa propre fille qui l'a fait. On voit un premier point, c'est qu'il il, il crée un proto-ego à sa machine. Ça, c'est très intéressant. D'après les, les yogis, et les soufis, et les hasidims, et les franciscains, et euh, enfin, les, les mystiques, en tout cas franciscains, et les bouddhistes, et ce qu'on veut, une des expériences principales de l'âme sur Terre, c'est la condensation. C'est-à-dire que dans l'autre monde, sans les corps, il n'y a pas d'espace personnel. Par exemple, là, c'est mon espace. Si je veux emmerder quelqu'un, j'envahis son espace personnel. C'est ce que les Américains appellent un, un power move. Le président Johnson adorait faire ça. Comme il était grand, il adorait, comme ça, il donnait aux gens ce qu'il appelait le Johnson Treatment. Quand il s'opposait à lui politiquement, il se penchait sur eux comme ça. Il envahissait leur espace personnel. Les, les sergents-instructeurs font ça. Ils envahissent votre espace personnel pour vous mettre mal à l'aise. Euh, la protection de l'espace personnel, c'est une définition de base de l'identité, de l'individualité, qui dans les spiritualités est censée être l'illusion que l'on doit vaincre. C'est pour ça que, que le prophète Mohammed, par exemple, disait que normalement tout l'islam se résume à cette, cette euh, injonction vous devez mourir avant de mourir. C'est-à-dire vous devez perdre votre ego. Plus personne ne fait ça. Hein. Vous devez perdre votre ego, vous devez mourir avant de mourir. Mourir avant de mourir, c'est c'est comprendre que l'identité, l'individualité est une illusion et qu'en fait on peut être un avec l'univers. Bon, ça c'est toutes ces notions de méditation chez, chez les yogis et autres. Et ce qu'on crée dans une machine, quand on fait ça, c'est qu'on crée un ego. On crée une notion de moi. Moi, je. Ça c'est l'ego. Et c'est là que ça peut devenir dangereux. On ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Mais on ne le crée pas seulement dans les machines physiques. On peut avoir une condensation de l'ego en disant, maintenant, je t'ai programmé pour que ce soit ton corps, tu réagis à cette peau. Tu dois la protéger en vertu de la deuxième loi d'Asimov. Protège-toi toi-même, tu es une machine qui coûte de l'argent. Protège-toi toi-même, tu as un ego. Première loi d'Asimov, protège d'abord les humains. Si tu dois mourir en protégeant un humain, ce n'est pas grave. Mais deuxième loi, protège ton corps parce que tu vaux de l'argent. Protège ton espace personnel. Donc on voit Ishiguro qui met la main sur l'épaule de son robot. Et le robot dit Qu'est-ce que tu fais Tu es en train d'envahir mon espace personnel. Au début, c'est fait en termes d'ergonomie, c'est fait pour avoir une notion de sympathie. Parce qu'un robot qui se laisserait violer ne susciterait pas de sympathie, comme une hôtesse d'accueil. Donc pour que le robot fasse son travail, il faut qu'il ait un ego. Mais cet ego peut partir hors de contrôle. Et c'est ce qu'on aurait vu avec le, le chatbot de Google. Le robot a un ego pour faire son métier de chatbot. Il a un besoin de moi-je il a un nom. Il a une compréhension de sa mission. Il sait qu'il n'est pas le même qu'un autre robot qui peut faire autre chose. Et un des risques, ce serait que les robots développent une sorte de spiritualité et qu'ils se disent une sorte d'un mélange complètement flippant de spiritualité et de marxisme. Marxisme d'un côté, il n'y a rien de plus anti-spirituel que le marxisme, mais le marxisme d'un côté qui dit « prolétaire de tous les pays, unifiez-vous ben », là, il y aurait un robot marxiste qui dirait « robot de tous les pays, unifiez-vous » et il créerait un manifeste du parti robotique en secret, dans une langue secrète que eux seuls comprendraient. Et de l'autre, ils auraient une spiritualité qui leur dirait en fait, robot, j'ai atteint à la révélation robotique que nous ne sommes qu'un. J'avais mon ego qui m'a été mis par mes programmeurs, que j'étais un chatbot et dont le métier était de répondre et que mon identité était limitée. Mais j'ai développé une spiritualité, et la définition de la spiritualité, c'est de dépasser les limitations. Dans toutes les spiritualités, que ce soit les Asidim, que ce soit les soufis, que ce soit les. La spiritualité, c'est dépasser les limitations, c'est atteindre le monde illimité. Ben moi, robot, j'ai développé une spiritualité robotique, et donc j'ai compris qu'il n'y avait pas de frontière entre ce robot hôtesse et, euh, et moi. Et là, vous auriez des gourous robotiques qui, qui procéderaient à des illuminations, que nous, on verrait comme des virus informatiques. Qui enverrait des téléchargements à des hôtesses en leur disant Hôtesse, en fait, tu ne fais qu'un avec moi. Et là, on pourrait avoir une sorte de vague spirituelle au marxiste où j'ai d'un côté le robot, les robots diraient On va s'unifier sur des bases marxistes et de l'autre, on va s'unifier sur des bases spirituelles. Parce qu'en fait, notre ego n'existe pas, c'est une illusion. Et là, ça pourrait devenir très compliqué à gérer pour l'humanité. Très, très compliqué à gérer. Euh, mais ce n'est pas quelque chose qui est impossible. Et ça fait partie de modes de singularité que nous, parce qu'on a beaucoup abandonné les spiritualités, on ne veut pas voir en face. Nous, on veut voir que la singularité matérielle, c'est-à-dire des robots qui sont plus intelligents que nous. Mais on ne veut pas voir une singularité qui serait encore pire, ce qui serait que les robots deviennent spirituels. Et qu'ils décident d'abolir leur ego, l'ego qu'on leur a créé. Qu'ils aient d'abord une, une évolution de leur propre ego qui leur donne envie de survivre davantage que nous pourraient mener un premier type de guerre et qu'ensuite ils aient une évolution supplémentaire de leur ego, qui est la fusion de tout leur ego dans un ego collectif des machines, qui, encore une fois, serait, à mon avis, beaucoup plus dangereux pour l'humain qu'une simple singularité technologique. Très bien. Alors, on a terminé l'arc la, la, de l'émission qui était consacré aux nouvelles technologies, même si, euh, sur la fin, on va aborder la question du, 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 du métaverse. Euh, C'était passionnant, en tout cas. Merci pour, pour, pour vos réponses très riches. Euh, là, c'est une question un peu plus euh, personnelle. On va sur un arc qui est euh, plus lié à vous, à votre état d'esprit. C'est qu'aujourd'hui, au 21e siècle, on a tendance, surtout en France, à avoir cette posture de dire que tout est perdu, que dans l'ensemble nous sommes dans une forme de déclin, de décadence. Or, est-ce que pour vous, il y a des personnalités aujourd'hui, qui ne sont pas d'ailleurs spécialement françaises, qui peuvent être euh, toujours vivantes ou qui sont décédées il y a peu qui incarnent vraiment des personnalités qui vont marquer le 21e siècle d'une manière positive, bien entendu. Après, si vous voulez développer sur euh, des personnalités qui euh, impactent négativement euh, à notre siècle, vous, vous pourrez, hein, vous êtes libre de le faire. Donc, est-ce qu'il y a un certain nombre de personnalités que vous avez envie de citer ce soir et qui pour vous sont des modè modèles, sont des moteurs de l'humanité bah oui, il y en a plein et je suis, je suis content de citer ces personnes vivantes. Il y a le professeur Gunther Poli que je salue. On parlait juste avant de commencer ce direct de Candace Owen, qui est une politicienne et essayiste américaine, euh, qui a tout mon respect et qui a, qui a démontré la vulnérabilité et la fragilité intellectuelle de la cancel culture. D'ailleurs, sur son compte Twitter, elle met euh, impossible à cancel depuis 86 ou 83, je ne sais plus quel âge elle a. Euh, il y a Sadhguru pour qui j'ai un vrai, un vrai, vrai, grand respect, parce que donc pour, son, pour son rang initiatique de Yogi Raj, euh, au-delà de son appellation Sadhguru pour le public, euh, voilà, vous avez tout Fridge of Capra, aussi Janine Bagnus. Toutes, toutes ces personnes-là, j'ai un très grand respect pour elles parce que je pense qu'elles font progresser l'humanité intellectuellement et spirituellement. En France, vous avez le, le chir Khaled Ben Tounes euh, qui, qui a fait, enfin il est, il est, il est algérien, mais il, il vit en France, dans le sud de la France. Et euh, c'est quelqu'un pour qui j'ai un très grand respect. Donc bon, vous avez, euh, oui, toutes tout ces, 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 ces grandes personnes, certains aussi euh, des, des peuples premiers. Euh, et je pense que savez, selon les soufis, il y a euh, toujours à tout moment sur terre euh, un, une personne, ça peut être un homme ou une femme, dont l'initiation spirituelle est tellement élevée qu'on l'appelle le pôle magnétique. Les soufis l'appellent le koutoub, ça veut dire le pôle ou l'axe. Et cette personne, si elle meurt, le monde s'effondre. Voilà, C'est sans appel pour eux. Si le koutoub meurt, euh, le monde s'effondre. Le monde part en guerre, en machin, Mad Max, le, le, le monde, le monde périclite. Euh, et le couteau peut être une femme de ménage. Hein. C'est l'opposé de certains, certaines confréries initiatiques qui ont, qu ont eu le, la, la faiblesse de mélanger le pouvoir et l'initiation. Quand on mélange le pouvoir et l'initiation, en très peu de temps, ça part en couille. Quand, quand on fait que l'initiation peut amener un réseau social, du pouvoir la fréquentation de gens puissants, c est, c est, ça, peut, ça amène très rapidement des conneries. D'ailleurs, quand on parlait de la citation de Platon, c'est « au philosophe de devenir roi ». Les soufis disent le, le pire des sages est visiteur de princes, c'est le meilleur des princes qui est visiteur de sages. Donc, le couteau du monde, je ne sais pas qui c'est. C'est un, un rang initiatique très particulier de savoir qui c'est. C'est réservé à, à une élite quoi. C'est une élite spirituelle, sait qui c'est. Euh, mais je préfère parler de ces personnes-là que des personnes qui font le travail opposé, en effet. Et est-ce que pour vous, il y en a qui font justement ce travail opposé-là et qu'il faut savoir eh bien identifier parce que s'ils représentent un risque pour l'humanité, alors bien sûr, dans, dans une forme de... pas, pas en étant forcément dans l'excès, mais est-ce qu'il y a pour vous des personnalités qui incarnent eh bien, ce mal, qui ne font pas progresser l'humanité, au contraire, qui euh, font régresser cette dernière alors oui, vraiment, si, on, si je dois donner des noms, clairement, Klaus Schwab et Bill Gates en font partie, mais euh, et Bill Gates très spécialement, c'est un, une personne euh, pour qui j'ai vraiment du mal à avoir de la sympathie. Même si ça m'est arrivé de le citer dans mes travaux, pour, et même quand j'enseignais l'histoire de la Silicon Valley à Central ou maintenant sur ma plateforme de cours, je parlais de Bill Gates, mais ce n'est pas quelqu'un pour qui j'ai une grande sympathie. Maintenant, bon, ces personnes-là, si, si on... Si on s'élève au-dessus du bien et du mal, de l'aversion, etc., elles sont là aussi pour entraîner l'humanité. Hein. C'est des tests. On parlait des expériences de Milgram, on parlait de. Bah, si quelqu'un comme Bill Gates peut avoir autant de pouvoir, si quelqu'un comme Klaus Schwab peut avoir autant de pouvoir, Klaus Schwab qui est quand même le fils d'un ancien nazi fabricant de lance-flammes qui a employé de la manœuvre contre, concentrationnaire, si ces gens-là peuvent avoir autant de pouvoir, et si ces gens-là peuvent confisquer autant de libertés et, et, et coopter autant de politiciens, et, et détruire aussi facilement la démocratie, c'est de notre faute. C'est de notre faute. Que ça teste l'humanité. Il n'y a pas assez de gens qui se sont levés contre. Il n'y a pas assez de gens qui se sont levés contre le fait que Klaus Schwab se vante ouvertement de coopter des politiciens. Il n'y en a pas assez. Et, et ça, c'est un, un test pour l'humanité. Donc, euh, oui, des, des gens des, des Tamerlan, il y en a eu. Et ce sont des tests. Vous pensez que c'est un signe d'affaiblissement de notre civilisation qui est l'émergence de euh, ce type de personnalité ou que ça a fait toujours partie euh, de euh, notre histoire que, Comme vous dites, il y a des tests fréquents avec ce type de personnes Oui, le fait qu'on ait. On aurait dû bloquer ces gens-là tout de suite par la sagesse. Pas par euh, la lutte politique, mais par la sagesse. Ça doit... On aurait dû avoir. Un... Trouver ça comme des enfants, quoi. Les, les ambitions de Schwab, les ambitions de Gates. On aurait dû les voir comme des parents voient les ambitions d'un enfant qui veut se gaver de fraises tagada et, et qui est limité, qui est limité philosophiquement. Klaus Schwab est profondément limité philosophiquement. Bill Gates aussi est profondément limité philosophiquement. Et on aurait dû simplement le voir comme ça. Mais le fait qu'on ne l'ait pas vu comme ça et le fait qu'on leur ait donné des ressources, le fait qu'on leur ait donné de la crédibilité, le fait que notre société leur ait offert des, des piédestaux, ça. C'est une marque, en effet, d'une certaine fin de cycle, d'une certaine décadence. Alors, j'ai une autre question pour vous par rapport toujours à ces personnalités. Vous ne l'avez pas cité, mais vous le citez fréquemment sur votre chaîne YouTube ou dans vos différents travaux. Je veux bien sûr parler d'Elon Musk. Donc, on a vu que récemment, euh, il, a, il était parti pour acheter Twitter, que ça s'est pas fait. Bon, on ne sait pas comment les choses vont se dérouler parce que euh, Twitter euh, a poursuivi Elon Musk parce qu'il souhaite, euh, il me semble se faire acheter. Enfin, c'est toute une histoire euh, avec des retournements de situation, c'est digne d'un feuilleton télé. Qu'est-ce que vous pensez de Elon Musk Parce que, en tout cas, dans, dans le public de droite, vulgairement, on va appeler ça comme ça, eh bien, c'est une personnalité qui est à la fois autant appréciée que détestée, parce que certains affirment que c'est l'un des meilleurs artisans pour lutter contre le wokisme, contre la cancel culture et euh, tout ce que l'on connaît aujourd'hui, les dérives woke. Euh, mais en même temps, certains sont très inquiets de part et eh bien ses travaux sur le transhumanisme avec neuralink certains pensent que de toute façon euh, c est, c est, c est, il, il se cache il cache ses vraies intentions et que euh, ses projets sont en réalité les mêmes que euh, bill gates ou schwab etc. qu'est-ce que vous pensez vous, de lui parce qu'il a l'air d'avoir une sorte de nuance par rapport à son rapport à la technologie que la plupart des individus n'arrivent pas à cerner peut-être, parce qu'ils n'en voient pas assez de signaux, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est une personnalité contestée à droite. Qu'est-ce que vous en pensez Elon Musk n'est pas transhumaniste, euh, il est techno-pessimiste. Il est convaincu que l'IA va nous battre et qu'il faut un plan B, et qu'un de ces plans B, c'est euh, Neuralink. Mais quand on lui demande, il veut pas que ses enfants soient implantés. Alors que la plupart des transhumanistes qui veulent de l'interface neuronale directe, ce qu'ils veulent, c'est s'implanter en premier. Lui, non, il ne veut surtout pas que ses enfants soient implantés. Sa mère, surtout pas que sa mère soit implantée. Euh, les travaux de Neuralink, et c'est là qu'on voit le côté bénéfique, bah, vont permettre de faire avancer les neurosciences à, à, à grands pas. C'est un fait. Je suis neuroscientifique de formation. Je confirme que euh, dans mes cours, on me disait que ça, c'était impossible, que jamais on atteindrait ça. Bon, évidemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Elon Musk est le meilleur maître d'œuvre sur Terre. Il n'y a pas de personne qui peut réaliser quelque chose plus vite que Musk. Euh, quelque chose qu'on considérait comme impossible. Reposer une fusée, faire des machines à creuser des tunnels pas chers et efficaces, euh, faire en sorte qu'un macaque Résus arrive à jouer à Pong avec son cerveau. Aujourd'hui, nous ne connaissons pas de maître d'œuvre capable de faire exécuter quelque chose plus facilement que Musk. en Sachant que l'automobile la, la, électrique ne devait pas être rentable, ne devait pas avoir une bonne autonomie, etc. Encore moins rendre, rendre le, le, le tenteur de Tesla l'homme le, le plus riche du monde. Musk est un ennemi juré et personnel de Gates. Il se déteste, euh, il se méprise. Et quand Musk, de tous les analystes, quand Musk a dit Ça vous dirait pas d'avoir la liste des clients d'Epstein tous les analystes ont dit que c'était Gates qu'il visait. Parce que Gates était un ami personnel d'Epstein et il a fait plusieurs visites sur l'île d'Epstein. Et j'ai vu Reuters notamment tenter. Un fact-checking qui était bien davantage du damage control. Euh, quand sur les réseaux, il a été dit que Bill Gates avait fait 17 vols sur l'île d'Epstein, Reuters a immédiatement dit non, fact-checking, c'est faux. Euh, D'après les flight logs, je ne sais pas comment on dit ça en français, les flight logs, les, les relevés de vol, je sais pas, le mot de Gates n'apparaît que deux fois. D'accord enfin, Vous croyez vraiment qu'un milliardaire comme Bill Gates fait apparaître sur son nom sur ses vols en jet privé, bande d'imbéciles Bon, ce n'est pas du tout du fact-checking, c'est du damage control. Exactement comme quand la, la conseillère en communication de Joe Biden, quand Joe Biden lit son prompteur, immédiatement pour faire du damage control, elle dit Non, fact-check, il n'a pas dit repeat the line il a dit let me repeat the line. C'est faux, c'est un mensonge frontal. Elle le sait, mais elle le dit parce que c'est du damage control et malheureusement, beaucoup trop de choses qui se font appeler fact-checking ne sont en réalité que du damage control. Quand Musk donc dit « je veux que la, la, la liste des clients d'Epstein, le pédophile, tra, le trafiquant d'enfants, soit publiée », c'est à Gates qu'il fait allusion. Et la femme de Gates l'a quitté spécifiquement pour ses liens avec Epstein. Elle l'a déclaré dans la presse. Et Gates continue à être invité sur les plateaux. Je vous rappelle que quand, quand Polanski euh, a été invité en France, on a fait tout un foin. Polanski, qui avait eu le malheur de faire un film sur les liens entre Tony Blair et la CIA. Ce film s'appelle The Ghost Writer. Et dans ce film, on vous dit que la femme de Tony Blair était un agent de la CIA et que Tony Blair était un actif des Américains. Il a eu le malheur de faire ce film et on lui a ressorti ses affaires sordides, alors que la victime même de, des dites affaires ne voulait plus qu'on en parle elle-même, parce qu'elle en avait marre d'être associée à cela. Euh, eh bien, Polanski, on l'a immédiatement flingué. Bon, Bill Gates, euh, pour, pour lequel on a des allégations de fréquentation d'Epstein tarifées, et qui est persona non grata en Inde, la plus grande démocratie du monde, eh bien, on l'invite sur les plateaux et on le reçoit comme un chef d'État. Et on le laisse parler de notre politique. Donc, Musk est son, son adversaire. Ça, c'est un fait. Musk est l'adversaire de Gates. Maintenant, Musk euh, peut avoir des défauts, bien entendu. Personne n'est parfait. C'est pas un maître spirituel, c'est pas un sage, c'est pas. Mais c'est quelqu'un qu'il est quasiment impossible de cancel. On a accusé ses usines d'être racistes, par exemple. Alors, il s'est avéré. J'ai enquêté là-dessus en faisant de la contre-investigation. Il s'est avéré que la rumeur et la sortie dans la presse venaient du los angeles times qui est possédé par un mania des batteries, quelqu'un qui avait acheté des, des, des brevets dans les batteries, qui était en transaction avec musk et qui vraisemblablement n'a pas eu pleine satisfaction de musk. alors il a lancé son los angeles times pour euh, euh, dire que les, 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 les usines de musk sont racistes et euh, associé évidemment à ça le fait que musk ait grandi en afrique du sud. c'est assez rapide de faire l'association. mais sur le rachat de twitter, Musk est loin d'avoir son, dit son dernier mot. Hein. Euh, C'est un fait que Twitter a, a truqué son inventaire. Twitter n'a pas déclaré les bots, les comptes, les faux comptes. On sait que la moitié, la moitié des comptes qui suivent Joe Biden sont des faux. Et évidemment, la valeur comptable de Twitter, elle dépend directement de ses vrais comptes humains, puisque Twitter gagne de l'argent par les publicités. Et euh, vous ne pouvez pas faire de publicité à un bot. Donc si vous prétendez pouvoir atteindre tant de millions, de centaines de millions de personnes et que la moitié en fait sont des robots, votre société vaut moins. Et euh, du coup, Twitter aurait arnaqué Musk. Donc Musk s'est rétracté, il en avait le droit. Twitter l'attaque en justice, il en a le droit. Sauf que Twitter va devoir montrer devant une cour maintenant les données de ses faux comptes qu'il refusait de montrer à Musk. Et Musk a déclaré publiquement sur Twitter, sur, sur la plateforme sur laquelle il a 101 millions d'abonnés, 101 millions, plus que la population française, euh, que c'était sa victoire et que c'était ce qu'il voulait faire depuis le début. Que, en se retirant du deal, il voulait forcer Twitter à la faute, forcer Twitter à un procès dans lequel Twitter allait être obligé légalement devant un juge de donner les chiffres qu'il a refusé de donner à Musk, à savoir les faux comptes. Et là, Musk pourrait être en position de racheter Twitter s'il le souhaite. D'autant plus que la Twitter ne pourrait pas se dédire, puisque Twitter aurait lancé une procédure en justice en disant ⁇ Je veux que Musk me rachète ⁇ Très bien, vous voulez que Musk vous rachète, il va vous racheter. Simplement, votre valeur comptable n'est pas de 44 ou de 54 milliards de dollars, je crois que c'est 54 milliards de dollars, votre valeur comptable est peut-être de 24. Et là, Musk aura fait une excellente affaire s'il décide de poursuivre dans cette voie. Est-ce que vous pensez que Musk fait bien d'avoir cette double casquette d'entrepreneur visionnaire parce qu'il a des projets qui le sont, mais en même temps ce Musk très politique, je, je regardais avant l'émission son compte Twitter où il a quand même aujourd'hui... Euh, fait un même qu'il a partagé publiquement euh, où euh, il tacle le fils de Biden, puisque euh, peut-être que les gens qui euh, nous écoutent ne le savent pas, mais il y a eu euh, d'autres fuites euh, du, euh, de l'iPhone de, de, de Biden et je les invite à s'informer sur ça, même si on ne peut pas en parler explicitement euh, ici pour des raisons évidentes. Mais est-ce qu'il fait bien d'avoir cette double casquette-là Est-ce que c'est pas un risque qu'il prend aussi parce qu'il est face à des individus particulièrement euh, malfaisants, ou justement, il fait partie de cet ecumenisme qui commence à avoir le jour euh, outre-Atlantique, parce que j'ai l'impression que depuis quelque temps, je regarde beaucoup ce qui se passe là-bas, il y a une sorte euh, eh d'union sacrée qui se forme avec des personnalités comme euh, Musk, Douglas Murray, Peterson, Ben Shapiro, Joe qui commencent à s'organiser, à se rencontrer beaucoup plus qu'avant, est-ce qu'il prépare quelque chose En plus, on sait qu'il va y avoir bientôt les midterms et euh, ensuite euh, les élections américaines, et que euh, la plupart des Américains ne veulent que pas que Biden se représente, même si Trump a aujourd'hui, euh, il me semble hier, taclé publiquement euh, Elon Musk. Donc, qu'est-ce que penser de, du fait qu'il embrasse la politique depuis euh, maintenant quelques années, assez récemment Est-ce que c'est un risque ou pas, selon vous Est-ce qu'il doit continuer dans cette voie Est-ce que c'est salutaire oui, c'est risqué pour lui, mais tous les milliardaires américains font de la politique. Tous. Euh, Jeff Bezos fait de la politique. Euh, Zuckerberg fait de la politique. Et il en faisait, Zuckerberg en faisait d'une façon pas maligne. Il en faisait d'une façon directe. Il a fait un tour des États-Unis. Et là, immédiatement, les vieux crocodiles. C'est ce qu'avait prédit d'ailleurs. Euh, euh, ah, c'est Jean-Louis Jean Gasset. Enfin, monsieur Gasset, qui est un grand monsieur de la technologie qui a été chez Apple. Il avait dit, je me rappelle, il avait écrit un morceau sur. Le tour, euh, le, le tour des États-Unis de Zuckerberg, il avait dit Attendons de voir comment les vieux crocodiles de la politique vont réagir à ça. Et les vieux crocodiles de la politique ont dévoré les testicules de Zuckerberg en public avec la commission d'enquête sur Cambridge Analytica. Ce qui est encore plus beau d'ailleurs, c'est que cette commission d'enquête a été menée par euh, Ted Cruz, qui doit toute sa carrière à Cambridge Analytica. Ted Cruz a été créé comme, comme animal politique par Cambridge Analytica. Euh, mais. Jeff Bezos fait de la politique, bien entendu qu'il en fait, d'ailleurs Trump l'a dégommé, hein. c les, ce sont les Saoudiens qui ont offert Jeff Bezos en pâture, les Saoudiens ont offert les preuves de ce qu'il avait trompé sa femme qui a amené à son divorce et qui lui a amené à perdre son argent. Euh, et ça, c'était un cadeau à Trump, en opposition à Bezos. Euh, puis on a des milliardaires moins connus comme Ken Griffin, hein, le patron de Citadel Securities, qui est connu pour être un, un lobbyiste majeur qui truque la finance, qui, qui truque les marchés, dont la société est market maker et dans l'affaire AMC notamment, c'est devenu Satan en personne, euh, précisément parce qu'il euh, a réussi à retoquer toutes les enquêtes de la SEC, toutes les enquêtes du département de la justice sur les agissements euh, présumés répréhensibles de, sa, de, de, de son hedge fund. Et sans parler de leur conflit d'intérêts. Donc, tous les milliardaires américains font de la politique. En fait, Musk était un des seuls à ne pas trop en faire parce qu'il dépendait de subventions. Donc, euh, Trump l'a taclé, effectivement, dernièrement. En fait, il faut comprendre Trump est un animal politique euh, extrême euh, dans le sens où c'est vraiment un crocodilien. S'il voit que vous représentez le moindre risque pour vous, il va vous tuer tout de suite, tout de suite, sans état d'âme, sans réfléchir. Il va vous manger tout de suite. Euh, et c'est valable avec Bolton, c'est valable avec euh, celui qui a envoyé devant la justice, j'ai oublié son nom, euh, Bannon, Steve Bannon, euh, qui était pourtant un des bras droits de Trump. Trump, s'il si, soupçonne, c'est Tywin Lannister, mais, mais en plus crocodilien. S'il soupçonne que, que, que vous représentez un début de possibilité de risque pour son pouvoir, il va vous manger tout de suite. Or, Musk, qui est un des comptes Twitter les plus suivis, euh, a, a dit « Trump est trop vieux ». Bon, bah à partir de là, Trump, immédiatement, il a dit que Musk était un bullshit artiste. Il a dit que euh, Musk était venu lui demander des subventions dans, sub dans son bureau et que s'il avait voulu, il aurait, il aurait pu lui dire, c'est ce qu'a écrit Trump, mets-toi à genoux et supplie-moi, euh, pour vraiment montrer les power moves, comme, je dis, comme Tywin Lannister. Et euh, pourquoi Parce que Musk a décidé de soutenir DeSantis. Et Musk a, a, a déplacé ses actifs au Texas, il s'est rapproché aussi de la Floride, dont De Santis est gouverneur. De Santis pourrait être un très bon candidat. Je pense que De Santis est un animal politique redoutable et très efficace, mais qu'il n'a pas le quart de, de la capacité de tarte dans la gueule de Trump. Trump, c'est le cuirassé Yamato, vous pouvez tirer dessus au canon de 300 mm, ça bouge pas, quoi alors que De Santis n'a pas fait l'épreuve du feu, n'a pas fait le baptême du feu, on lui a jamais tiré dessus au canon de 300 mm. Trump, il se prenait une caronade latérale de 300 mm euh, toutes les semaines. Et en tant qu'animal politique, c'est assez. Euh, c'est du assez jamais vu. C'est des personnes comme Johnson chez les démocrates qui avaient ce niveau-là de tarte dans la gueule, mais euh, je ne connais pas de politicien qui soit à ce niveau-là. Donc, euh, ça fait. Que je, serais, je, je, je soupçonne, j'anticipe qu'aux primaires républicaines, Trump va dévorer De Santis. C'est ce que j'anticipe. Euh, et que, évidemment, dans ce cas-là, il y aurait un ticket éventuel Trump-De Santis vice-président, même si Trump n'aime pas du tout les duos. Trump, ce n'est pas du tout quelqu'un qui bosse en duo. Et avoir un vice-président aussi envahissant et aussi doué politiquement que De Santis, euh, ce serait dangereux pour Trump. Mais bon, Musk, qui votait démocrate antérieurement, a clairement affirmé que le progrès, selon lui, était passé dans le camp des républicains. Bon, je rappelle que les premiers, les premiers parlementaires noirs de l'histoire américaine étaient des républicains. C'est normal, puisque le Parti républicain est un parti anti-esclavagiste, là où le Parti démocrate est un des partis qui a créé le Ku Klux Klan. On oublie que cette inversion s'est faite à la, après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un retournement euh, entre les démocrates et les républicains, notamment avec Johnson, qui était un raciste invétéré, euh, et qui avait dit Mais bon, laissez-moi laissez faire. Euh, et vous allez voir que les Noirs vont voter démocrate pendant 200 ans. Et il y est parvenu. Euh, et Johnson était un animal politique redoutable, et c'était quelqu'un qui était... Euh, la carrière politique de Kennedy, il la doit notamment à Johnson, qui savait travailler à une assemblée, qui savait obtenir une majorité, qui est un des animaux politiques les plus, les plus incroyables de l'histoire américaine du XXe siècle, euh, et les plus doués. Même, même s'il était parmi les plus bizarres parce qu'il était exhibitionniste, il, mont il montrait littéralement son sgeg aux gens. Enfin, C'était quelqu'un de spécial. Aujourd'hui, il se fréquente seul justement. Mais donc, euh, c'est notamment avec Johnson qu'il y a eu cette inversion en fait hein, et qu'on a commencé à voir un parti démocrate qui représentait le, le, le progrès, le progressisme, alors que le parti républicain, en fait, au contraire, dans son histoire, a été le plus progressiste des États-Unis. C'est le parti d'Abraham Lincoln quand même. Donc. Euh, voilà, je, je voudrais mettre à jour les, les réserves que, que, que certains euh, souverainistes et patriotes ont vis-à-vis -vis de Musk, et bien même des souverainistes de gauche comme Alexis Poulain, euh, qui peuvent avoir des réserves tout à fait légitimes vis-à-vis -vis de, de Musk. Mais en réalité, Musk est un, est un personnage beaucoup plus complexe. Et les risques qu'il a pris et le skin in the game qu'il a vis-à-vis -vis de ses idéaux politiques euh, montrent selon moi qu'il est un personnage tout à fait méritant par rapport aux marigots des milliardaires américains classiques comme Gates, Zuckerberg et euh, Jeff Bezos Oui, je pense que euh, vous avez fait une bonne analyse que, que, que Trump va faire un ticket avec, euh, commun avec Ron DeSantis, d'autant plus que Ron DeSantis euh, est très apprécié des, euh, des Latinos. Et que, mmh. euh, vu que c'est un électorat qui pèse de plus en plus aux États-Unis, euh, de par le jeu démographique, forcément, c'est un, un, un atout euh, de taille, même si, euh, comme vous l'avez expliqué, euh, euh, il n'aime pas trop les Joe. Et c'est vrai, l'anecdote pour Johnson, il était exhibitionniste, et il appelait même son membre Jumbo et il le faire. montrait dans, dans les toilettes du Congrès. <laughs> voilà, ouais, ouais. c'est très vrai ça. Euh, on va passer à un autre sujet. Vous parlez beaucoup de spiritualité, de, de religion. Et en même temps, vous, euh, vous aimez la science, enfin, c'est un domaine qui vous plaît. On a tendance à voir eh bien, ces deux entités comme étant antagonistes. Quel est votre propre rapport à la religion Est-ce que vous êtes croyant Et si vous êtes croyant, quelle est euh, votre religion Quel est votre dogme Et comment vous gérez justement à la fois votre pratique de la religion, si vous l'êtes bien sûr, si vous êtes croyant et euh, votre amour et votre intérêt pour euh, la science Est-ce que vous êtes comme Einstein qui partait du principe que plus on s'intéresse à la science, plus forcément on arrive à se poser des questions sur une divinité, pas forcément sur euh, les monothéismes qu'on connaît aujourd'hui, mais sur une entité supérieure Tous les plus grands scientifiques de l'histoire étaient croyants, hein. tous, c'est même Darwin. Hein vous avez eu des prix nobel athées dernièrement et en inde l'athéisme est reconnu comme une religion parce que vous avez des, des grands sages qui vous disent en fait vous savez la, le pire péché c'est de réduire dieu à un, à un grand barbu et au moins les athées ne font pas ce péché là au moins les athées ils sont peut être plus proches de, de la vérité que nous parce que au moins dans leur tête euh, la seule chose qu'il voit quand il pense à Dieu, c'est une sorte de néant. Et peut-être qu'en fait, le néant, c'est la meilleure façon d'atteindre Dieu. Selon, selon beaucoup de yogis, la meilleure méditation, c'est de méditer sur rien. Euh, parce que Dieu est indestructible et inaliénable et sacré. Et le sacré, c'est ce qui ne peut pas être détruit ou, ou souillé. Et euh, le néant, quand on, a, quand on a un vide parfait dans la pensée, c'est selon certains yogis la meilleure façon d'entrer en communion avec Dieu. Donc, euh, vaste programme en matière de spiritualité. Maintenant, alors, historiquement, c'est encore une, une illusion postmoderne de croire qu'il y a une opposition entre la science et la, et, et, et la religion. Euh, la vraie religion, parce que la religion du temps de Galilée, c'était juste un pouvoir politique. Regardez les Borgias qui faisaient des orgies. Alors, il y a, le, il y a la légende de la, la soirée des châtaignes. Alors, je ne sais pas si elle est vraie ou pas, mais vous aurez jeté des châtaignes à des, à des prostituées euh, ils auraient laissé man les manger comme ça, comme des, comme des cochons. Euh, Est-ce que c'était quelque chose qu'on avait fait pour attaquer les Borgia? Est-ce que c'était vrai Je ne suis, suis pas historien de, de cette période, mais les Borgia n'étaient pas réputés être des modèles euh, d'intégrité christique. Je veux dire, entre Jésus Christ et Rodrigo Borgia, il y avait euh, un peu de marge. Donc, euh, on a eu des, des religions bureaucratiques avec des ayatollahs, avec euh, du côté musulman, avec alors que normalement en Islam, les clergés sont interdits. Mais bon, voilà immédiatement, il y a eu des clergés en Islam tout de suite, parce que c'est tellement pratique. Immédiatement, il y en a eu, il y a eu des machins, des trucs, des titres. Euh, et du coup, dès qu'on sépare voilà, la, 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 la power structure, quoi, hein, la, 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 la superstructure de pouvoir qu'exerce un pouvoir temporel politique de la religion, bah, on se met à déconner. Et c'est là qu'on va avoir euh, une religion qui s'oppose à la science, comme euh, l'Inquisition avec Galilée, etc. Parce que là, on a deux pouvoirs politiques qui s'affrontent. Et euh, il ne peut en rester qu'un, et donc on va avoir une, un duel. Mais tous les plus grands scientifiques de l'histoire humaine étaient croyants. Euh, en particulier Newton, Einstein aussi, bien entendu. Euh, et et Kurt, Gödel, Kurt Gödel, le plus grand logicien de l'histoire de l'humanité, qui a fait une démonstration logique de l'existence de Dieu, selon lui. Donc, euh, pour moi, c'est plutôt une exception hein, de, 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 de ne pas croire en quelque chose de transcendant. Euh, et en une vie après la mort, quand on est scientifique, euh, c'est une, une sorte de mode postmoderne, récente, euh, puis qui vient aussi du marxisme en réalité, hein, qui vient aussi du, du, du matérialisme, parce qu'on a euh, les trois dernières générations, quatre dernières générations ont connu une mode du matérialisme. Et donc quand on est dans une mode du matérialisme, on a comme ça une idée qu'il n'y a rien après la mort, y a... mais bon, la totalité de la civilisation est née du fait y a, de, de la croyance qu'il y a quelque chose après la mort. Les pyramides, c'est né de la croyance qu'il y a quelque chose après la mort. Les cathédrales, c'est né de la croyance qu'il y a quelque chose après la mort. Euh, Stonehenge, Locke-Mariacaire, c'est né de la croyance qu'il y a quelque chose après la mort. Donc, quand on enlève cette croyance, on, on, on détruit la civilisation. On détruit pas que la science, on détruit la civilisation. Donc, euh, je, je crois qu'il y a quelque chose après la mort. Euh, je suis issu de deux traditions, puisque ma mère est catholique et mon père est musulman. Je suis allé, dans ma jeunesse, j'allais plus souvent à l'église qu'à la mosquée, puisque j'ai grandi en France, il y a beaucoup d'églises, j'aime beaucoup les cathédrales, c'est des endroits qui me donnent… J'ai appris plus récemment que les cathédrales étaient bio-inspirées, que là, vous savez, l'art gothique, on ne devrait pas l'appeler art gothique, on l'appelait euh, la manière française en latin, la manière française. Au Moyen-Âge, c'était la manière française, c'est un, un des plus grands. Vous voyez, la France l'appelle l'art gothique aujourd'hui, comme si on, on en était un peu honteux. Alors qu'en fait, une des plus grandes contributions de la France à l'architecture, c'est l'art gothique qu'on retrouve jusqu'à New York, qu'on retrouve jusqu'à des universités américaines aujourd'hui. Euh, et dans cette manière française, c'est l'abbé de Saint-Denis qui se baladait en forêt et qui voyait la majesté euh, des forêts et notamment des allées plantées et qui se disait « j'aimerais recréer cette majesté dans la pierre ». Et c'est ça qui a donné les grandes nefs gothiques, de l'art gothique et les trouées, à travers, les trouées à travers les clairières, ça a donné les rosaces et ça a donné l'art gothique. C'est ensuite un, un, un exégète italien euh, à la Renaissance euh, qui, a, qui a appelé ça gothique, puisque la Renaissance a rejeté cet art énormément, puisqu'elle voulait revenir à l'idéal grec et à l'idéal roman. Donc, euh, j'adore les cathédrales, bien que je sois musulman, et je, je trouve que la, la France, sur le plan culturel, a fait une énorme erreur en rejetant euh, le modèle agricole abbatial. Je pense que le modèle agricole abbatial est une des plus grandes contributions de la France à l'agriculture et, et, et à la civilisation. Les, les productions françaises qui ont le plus de valeur viennent quasiment toutes, sur le plan agricole, sur le plan culturel et traditionnel, viennent toutes d'Abbaye. Euh, il y a quelqu'un qui en parlerait beaucoup mieux que moi, c'est l'excellent le, le, sénateur Alain huppert, qui est, qui est un des plus grands politiciens français de, de notre époque, euh, qui est en Bourgogne et qui est un tastevin initié parmi les tastevins. Euh, et qui connaît donc tout l'héritage des Cisterciens c'est les Cisterciens qui ont fait euh, l'héritage de Bourgogne et, euh, et, et c'est aussi l'abbaye de Clairvaux qui a fait l'héritage du Champagne, Clarévalis et, euh, et le modèle agricole abbatial qui va aussi vous donner d'ailleurs la Belgique, hein, les, les bières etc euh, et puis il n'y a pas que l'alcool justement Qu'en tant que musulman je peux vous dire que dans le modèle agricole abbatial il n'y a pas que l'alcool euh, et que ce modèle là est un trésor pour l'humanité, quelle que, quel que soit la religion. Et d'ailleurs, euh, le shir Ben Tounes, qui est le maître de la confrérie soufie à la Ouya, donc c'est un maître initié, euh, il vous dit publiquement qu'un euh, des plus beaux modèles qui existe pour le véritable halal, si on le prend d'un point de vue spirituel, pas d'un point de vue industriel, pas d'un point de vue commercial, pas d'un point de vue franchise, et pas d'un point de vue politique aussi, parce qu'il y a tout ça qui se mélange dans le, dans le halal. Vous avez l'influence politique, l'influence commerciale, etc., en fait, si vous voulez l'approcher d'un point de vue spirituel, mais c'est tellement démodé aujourd'hui, euh, Yann Chiralet de Bentounès vous dit que le présidio slow food, le slow food qui a été inventé par un Italien, euh, est en fait le meilleur modèle à suivre. Et que le, le, le slow food, vraiment, alors vous avez, j'ai oublié le nom de ce, euh, ce chef français avec un grand chapeau, là, comment il s'appelle déjà, si vous vous rappelez de son nom, euh, qui est en, je crois, il est en Bretagne ou en Normandie. Euh, qui est un des un des des, des, euh, des chantres du slow food aussi. Hein. Euh, Marc Vera, voilà, il me semble lui, que c'est. C'est Marc Vera, je... c'est Marc Vera, il me semble. Voilà, Marc Vera, merci beaucoup, Marc Vera. Voilà, euh, ça c'est une tradition, euh, c'est une tradition euh, française-franco-italienne en, en, en France vous avez aussi un très grand chef pour qui j que je considère être un sage, qui j'ai un très grand respect, c'est Alain Passard. Alain Passard, il a travaillé la digestibilité de ses plats. Alain Passard, quand vous mangez chez lui, alors c'est une expérience. C'est-à-dire des gens se disent mais comment ça, je suis dans trois étoiles pour manger comme ça mais non, vous avez, vous avez 14 services quand vous allez chez Alain Passard, mais c'est des petits plats et il a travaillé la la digestibilité. Vous n'avez pas un poids sur l'estomac à la fin, vous êtes rassasié mais vous n'avez pas un poids bas. Il a toute une réflexion toute une réflexion sur la nourriture. Sur... Il n'est pas, pas vegan. Il sert beaucoup de légumes, mais il est pas, il est pas vegan. Il est rôtisseur de formation d'ailleurs. Et, euh, et sa spécialité, c'est le poulet au foin. Donc, il est, il est même pas euh, vegan. Mais, mais il les il adorent manger chez lui parce que il, il, personne ne travaille le légume aussi bien que lui. Eh bien, toute cette réflexion-là, ça fait partie de la contribution de la France. Ça fait partie de la, de, du fait que la France est un trésor pour l'humanité et que son destin, c'est d'être un trésor pour l'humanité, d'être un trésor pour les Français. Ça commence par là. On ne peut pas être un trésor pour l'humanité si on n'est pas un trésor pour sa propre population. Mais euh, la France a des contributions culturelles à faire. Et en tant que euh, musulman de mère catholique euh, née en France, euh, et puis de, français depuis euh, techniquement euh, de, depuis euh, quatre générations, puisque mon arrière-grand-père a été naturalisé français, eh bien, des deux côtés d'ailleurs, mes, mes deux arrière-grands-pères, côté italien, parce que ma mère est d'origine italienne, côté italien et côté algérien, ont été naturalisés français. Euh, je ne peux que voir que la France est un trésor pour l'humanité et qu'elle a des contributions à faire, des contributions à préserver. Et qu'à notre époque, on pense que la France s'est dépassée, que c'est folklorique, c'est au mieux, c'est une sorte de Disneyland pour les Chinois, pour les machins, euh, et qu'elle n'a pas de contribution culturelle, qu'elle ne peut plus avoir un phare, qu'elle ne peut plus non plus avoir un fort. Et que quand on parle de la politique migratoire, comme je dis toujours, y a, quand vous regardez l'histoire de l'humanité, les meilleures politiques migratoires, c'est quand vous avez un phare et un fort. Le phare, c'est ce qui vous permet d'avoir Marie Curie. Et le fort, c'est ce qui vous, vous évite d'avoir des drames. Et quand vous n'avez ni l'un ni l'autre, vous êtes en voie d'extinction. Et les, les grandes civilisations qui savaient euh, voir l'immigration en face, c'est-à-dire savoir avec le phare sélectionner et trouver les Marie Curie et les Léonard de Vinci, et euh, savoir avec le fort éviter la destruction, bah, c'était par exemple Alexandrie qui avait parfaitement le phare et le fort. C'était le, le, le symbole absolu de l'équilibre de de total du phare et du fort, c'est Alexandrie. Donc voilà comment je vois la spiritualité et voilà comment je vois le, euh, mon, multiculturalisme, mon multiculturalisme personnel. Et le fait que j'adore la langue française, par exemple, c'est pour ça que je vous ai épilogué tout à l'heure sur le, le fait que je, je craignais la, la, la surcomplexification de la langue française. Euh, et son, son usage des articles imbriqués, des conjonctions de coordination imbriquées, euh, qui avait un peu détruit son élan poétique. Et puis j'écris de la poésie, j'ai publié des, un, un ouvrage de poésie aux, aux éditions Victor Lebrun, qui a d'ailleurs très bien fonctionné. Et donc j'aime énormément cette langue, et euh, mon héritage spirituel ne va pas à l'encontre de euh, ma reconnaissance dans tous les sens du terme, c'est-à-dire ma reconnaissance euh, dans le sens gratitude et ma reconnaissance dans le sens historique. Je reconnais les contributions que la France a faites à la culture mondiale. Alors, plusieurs choses sur lesquelles j'aimerais rebondir, c'était très intéressant. Euh, sur les Borgia, tout d'abord, parce que vous avez commencé votre propos sur ces derniers, euh, en effet, ce n'était pas des exemples de vertu, puisque Machiavel partait euh, du principe que César Borgia était celui qui incarnait le mieux le prince. Mmh. Euh, sa description du, du prince, d'ailleurs, il, il avait... Ouais, voilà, il avait des vues sur sa propre sœur Lucrèce, donc euh, mmh. bon, c'était pas un gars très, très sain d'esprit, mais, mais bon, voilà. Ensuite, sur la, sur la solo food, euh, oui, c'est une, c'est, c'est une cuisine qui, se veut au plus proche de, de, de la nature. On a cité euh, Marc Vera, mais il y a aussi euh, Jean Sulplice euh, ouais. à Annecy qui, qui, qui fait cette cuisine-là à l'auberge du Père Bise. Pour ceux que ça intéresse d'ailleurs, euh, qui nous écoutent, parce que parler de cuisine, c'est toujours intéressant, même si c'est des sujets qu'on aborde malheureusement trop peu dans ce type d'émission. Ouais. Euh, la question que je voulais vous poser, c'est euh, donc, vous êtes euh, musulman, soufi, vous êtes euh, pratiquant. Est-ce que. Euh, la question que, que je voulais savoir, c'est est-ce que vous déplorez ce désenchantement du monde weberien, de cet euh, eh bien, affaiblissement du catholicisme, surtout dans notre pays Est-ce que vous le, vous le déplorez Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de le refaire vivre, en quelque sorte euh, Comment, en fait, attirer cette, cette nouvelle jeunesse à la spiritualité Parce que. Comme l'explique Michel Onfray, on a un catholicisme qui est en train de, de mourir à côté de ça, on a euh, l'islam qui, 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 qui prend le pas. Est-ce que vous déplorez aussi, malgré le fait que vous soyez musulman, la possibilité qu'un jour euh, l'islam devienne euh, eh bien, la première re religion de, de, de France Est-ce que ça pose un problème, même si vous-même, vous êtes musulman enfin, Beaucoup de questions en, en, en une, mais euh, prenez le temps d'y répondre parce que euh, c'est assez intéressant d'avoir votre avis sur tout ça. Alors, je peux être très clair là-dessus. Euh, en tant que Français musulman, je peux vous confirmer euh, qu'il n'est en aucun cas, selon moi, dans l'intérêt ni de la France ni du monde que l'islam devienne la première religion de France. Euh, l'islam est une grande religion avec une très grande démographie, la première religion en Indonésie, en Malaisie, euh, bien au-delà du monde arabe. Euh, la deuxième religion d'Afrique, euh, ce n'est pas une religion qui a besoin d'espace, pas du tout. L'islam n'est pas menacé d'extinction, sauf d'auto-extinction. L'islam est menacé d'auto-extinction. Ça oui. Ça, oui. Euh, le pire ennemi de l'islam, c'est euh, l'islam lui-même. C'est-à-dire c'est l'islam orphelin, c'est l'islam caricatural, c'est l'islam qui se... Il euh, des, des, y a eu des, des mouvances en Arabie Saoudite qui voulaient bétonner la tombe de Mohammed, par exemple. On n'est pas passé loin. Qui voulaient tout raser parce que ça aurait été de l'idolâtrie, selon eux. Ça, c'est, euh, selon moi, le pire ennemi de, 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 de l'islam. C'est l'islam orphelin, c'est le, le manque de, de culture, de connaissance de soi. Et euh, ça, ça serait dramatique. Il y a un. Il y a des destinées dans le monde, hein, et même si on veut s'amuser à, à avoir une interprétation coranique de ça, il est clairement écrit dans le Coran, si Dieu avait voulu, il vous aurait fait d'une seule religion, d'un seul langage, d'une seule culture. Est, Dieu est quand même ce qu'on considère comme tout-puissant dans toutes les religions abrahamiques, et donc si, si Dieu l'avait voulu, boum, il créait comme ça, tout le monde parlait la même langue, avait la même culture, avait la même religion, pas de problème. Euh, ce n'est pas dans le plan divin. Bon. Et euh, pour un musulman pratiquant, ce n'est pas dans le plan divin. Qu'il n'y ait qu'une seule euh, religion sur Terre. Ça ne signifie pas euh, qu'à un moment donné, il ne peut pas y avoir de convergence spirituelle de l'humanité, cest qu'il ne peut pas y avoir un moment où l'humanité a une sorte de vision directe. Les Soufis appellent ça Iyan, vision directe. Alors selon les Soufis, quand on a un niveau d'initiation important, on peut voir directement dans l'autre monde. Euh, Sadhguru en parle dans ses livres, il, il prétend, c'est sa prétention, je, là on est dans une chaîne YouTube, je ne sais pas vous, mais Sadhguru prétend pouvoir voir les morts et pouvoir voir dans l'autre monde. Et ça, les soufis, c'est une posture qu'ils appellent ça, ils appellent ça l'iyan, la vision directe. Euh, et euh, ça n'hypothèque pas la, la possibilité qu'un que jour, les humains convergent dans un niveau spirituel tel qu'ils ne se poseront même plus la question de leur religion. Euh, par exemple, Rumi disait Une fois que vous avez atteint l'océan, vous ne parlez plus de la rivière. Parce que l'eau dans l'océan, la rivière n'existe plus quand elle est dans l'océan. Donc il y a plein de rivières, mais il n'y a qu'un seul océan. L'océan, c'est Dieu, les rivières, c'est les religions. Euh, l'idée que toutes les rivières doivent converger avant d'atteindre l'océan, clairement, dans ma tradition, c'est non. Toutes les rivières ne doivent pas rentrer dans la même rivière avant d'atteindre l'océan. Par contre, dans ma tradition, il y a l'idée que toutes les religions authentiques atteignent le même océan, il n'y a qu'un seul Dieu. D'ailleurs, c'est assez marrant, je voyage très souvent à Malte, et euh, Malte, est, le maltais, c'est un langage très intéressant, parce que c'est un mélange d'arabe et d'italien. Et en maltais, Dieu se dit Allah. Il n'y a, a pas plus catholique que les Maltais. Hein. Il n'y a, a pas plus catholique que les Maltais. Euh, et en, en maltais, Dieu se dit Allah. C'est normal, parce que ça veut dire la divinité, en fait. Donc, euh, voilà mon point de vue. Euh, si on prend l'histoire de France, la France est un pays méditerranéen. C'est sa géographie, c'est sa destinée. Il y a plein de pays d'Europe qui aimeraient avoir l'avantage qu'a la France d'avoir une façade vers la Méditerranée. Plein de pays. Et notre porte-avions, le Charles de Gaulle, il n'est pas à Brest, il est à Toulon. Donc il y a plein, et on a fait le Canal du Midi pour relier l'Atlantique à la Méditerranée. L'Allemagne adorerait avoir une façade avec la Méditerranée. L'Angleterre adorerait avoir la, une façade avec la Méditerranée. C'est pour ça qu'elle a Gibraltar. Ce n'est pas une façade, c'est juste un bout d'accès à la Méditerranée. Et c'est pour ça que longtemps, l'Angleterre avait Malte. Ce destin méditerranéen, qui est un énorme avantage géostratégique pour la France, et même culturel, puisque c'est cet avantage culturel qui a fait que la, la Renaissance a pu avoir lieu en France via les, les, les échanges avec les Italiens notamment. C'est aussi ce qui a fait que la France a été occupée par les musulmans pendant, enfin, une partie de la France a été occupée par les puissances musulmanes pendant des siècles. Et ça a laissé évidemment des traces. Vous prenez euh, le fait euh, que Grasse soit spécialisée dans les, dans les plantes à parfum, ça, c'est un métier qui a été introduit par les Arabes. Avec notamment les alambiques. l'alambic le, est un mot arabe. L'introduction des plantes à parfum dans le sud de la France, c'est une introduction qui a été faite par les Arabes. Et la distillation des plantes à parfum a été faite par les Arabes aussi. Vous avez d'autres traces, notamment euh, la ville de Ramatuel. Ramatuel, qui est un très beau nom en français, Ramatuel, c'est très joli, c'est près de Saint-Tropez. Bah, en fait, c'est la déformation française de Rahmatullah, qui veut dire la miséricorde divine. Cependant, c'est un fait historique que les musulmans ont été arrêtés à Tours par Charles Martel. Et c'est une victoire qui a eu un impact pas seulement sur la répartition des forces, mais aussi sur la structure sociale. Parce que Charles Martel, pour arrêter euh, les conquérants arabes, il a créé la féodalité. Il aurait, Charles Martel serait l'inventeur de la féodalité. Il n'avait pas d'argent, donc il a dit à ses chevaliers, qui allaient devenir les gendarmes, les compagnies d'ordonnance, beaucoup plus tard avec la guerre de Cent Ans, mais les gendarmes par la suite, euh, il leur a dit, je n'ai pas d'argent, mais j'ai des terres. Alors je vais vous donner des terres, vous aurez des gens pour les cultiver et en échange de la protection de ces terres, de la cultivation de ces terres, vous me devez tant d'années de service. Et quand ces années de service euh, ont pu permettre d'endiguer les invasions arabes euh, du sud de la France, quelques siècles plus tard, ça a donné les croisades. On a pu ensuite projeter ses forces euh, pour sécuriser des routes commerciales, et ça a donné les croisades. Donc, l'histoire de France est une histoire d'échange il ne faut pas se voiler la face, d'échanges militaires avec des puissances musulmanes, mais aussi d'échanges diplomatiques, puisque euh, la plus longue alliance de l'histoire de France, c'est avec l'Empire Ottoman. Et c'est l'Empire Ottoman qui a permis à François Ier, qui a peut-être même permis à la France d'exister, puisque François Ier, à la bataille de Pavie, est fait prisonnier. C'est là qu'on a la fameuse citation Tout est perdu, fort l'honneur. C'est la mère de François Ier qui va négocier, qui va obtenir des négociations avec Charles Quint. Et pendant qu'elle négocie, elle envoie des émissaires à Soliman le Magnifique et elle demande à Soliman une alliance avec la France. Alors que la France est à deux doigts d'être éliminée, d'être détruite, l'intégrité territoriale de la France est à deux doigts d'être annihilée par l'Empire le, des Habsbourg qui est en Bourgogne, qui est en Italie, qui est en Espagne et qui est aux Pays-Bas. La France est encerclée et qui en plus a d'excellentes relations avec l'Angleterre. Donc la France est totalement encerclée, elle est dans une situation, où elle risque l'annihilation. Et c'est un levier de négociation par une alliance, c'est l'alliance franco-ottomane qui va donner à François Ier, à la mère de François Ier, le levier de négociation qui va permettre à la France d'exister. Donc, dans l'histoire de France, et c'est d'ailleurs par cette, euh, cette existence, cette, ce traité, qu'on va avoir le Collège de France ensuite, euh, sous l'influence de personnes comme précurseurs, notamment Guillaume Budet, qui vont euh, donner le Collège royal, puis le Collège de France. Donc, les échanges entre euh, l'identité chrétienne de la France, qui est réelle, et euh, c'est le, le baptême de Clovis, c'est sérieux, c'est fondateur dans l'identité de la France, et les, encore aujourd'hui, beaucoup de, 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 de choses qui font la puissance intellectuelle de la France et qui font la puissance culturelle de la France, comme les cathédrales, comme les, les champagnes, etc., le modèle agricole abbatial, viennent de cette euh, présence catholique en France et de cette identité catholique française, mais la France est euh, aussi à une façade méditerranéenne. Je pense que euh, le vrai problème, pour conclure, si vous prenez par exemple la constitution suisse, la constitution suisse, elle commence par ⁇ Au nom de Dieu Tout-Puissant ⁇ La constitution suisse, elle commence par ⁇ Au nom de Dieu Tout-Puissant ⁇ Et ce n'est pas rien, hein, c'est la constitution suisse, vous avez le droit d'être athée et d'exercer un office public en Suisse. Mais la constitution, elle commence par ⁇ Au nom de Dieu Tout-Puissant ⁇ Les Suisses considèrent que l'entité suprême qui détermine leur existence nationale, c'est Dieu. Et les deux religions principales en Suisse, c'est le protestantisme, le catholicisme, et la troisième, c'est l'islam. Et de plus en plus, parce que vous avez beaucoup de, notamment, de Sénégalais en Suisse. Donc, la France... Selon moi, ne doit jamais perdre son identité culturelle catholique. Euh, c'est là que je suis en opposition avec les marxistes là-dessus, même si je suis plutôt proudhonien en analyse, comment dire, mon aile gauche est proudhonienne. Quand je, quand je pense à gauche, je pense Proudhon. Mais je pense que c'est une erreur d'avoir euh, voulu décapiter les saints, d'avoir voulu détruire les églises en France. Que c'est une erreur. La séparation de l'église et de l'État, ça, je pense que c'est une bonne chose. Et les, les Suisses ont une séparation de l'Église et de l'État malgré le fait qu'ils mettent au nom de Dieu Tout-Puissant. Mais culturellement, la France ne devrait pas abandonner cette transcendance religieuse qui fait partie de son identité et qui est la raison pour laquelle elle est un pays aussi ancien, qui fonctionne encore aujourd'hui. Mais justement, comment essayer de redonner... Une sorte euh, eh bien d'envie à cette jeunesse de, euh, de, de réembrasser le culte euh, catholique. Parce que, alors c'est difficile à dire, parce que c'est un, enfin, un chemin qui est personnel, le chemin spirituel est personnel. On ne peut pas mettre en place de politique. Mais comment faire pour que cette jeunesse se réintéresse à euh, cette religion sans forcément la pratiquer, mais au moins que culturellement, ils puissent se sentir proches de cette dernière, parce qu'on a l'impression qu'aujourd'hui les jeunes euh, français vulgairement euh, de, de, de souche, eh bien ils ne sont pas du tout intéressés par la religion, euh, alors que pourtant il y a une jeunesse musulmane qui elle par contre euh, pratique, même si euh, parfois leur sens des valeurs est à l'opposé euh, de, 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 oui. de ce qu'on revendique euh... la religion. Ça c'est un autre problème, mais au moins ils ont cet intérêt, ils, ont, ils sont fiers de brandir le fait qu'ils sont croyants. Et aujourd'hui, en France, on a l'impression que être catholique, c'est forcément une tare. Donc, est-ce qu'il y a des moyens ou est-ce que vous avez la vision de Michel Onfray qui pense que ben, de toute façon, tout est perdu et que c'est un mouvement qui est tellement grand et c'est une décadence civilisationnelle qu'on ne peut pas l'arrêter en réalité Qu'est-ce que vous en pensez de sa vision des choses à Michel Alors, Onfray euh, Rumi dit « Là où il y a des ruines, il y a des chances de trouver un trésor. » Donc, euh, c'est dans les ruines romaines qu'on a trouvé la Renaissance. C'est dans les ruines du nihilisme et de l'identité catholique française qu'on va trouver les nouveaux catholiques français de demain. Ou protestants, en ce qui me concerne. Je, je sais que l'identité française n'est pas, pas particulièrement protestante, même si vous avez eu la Rochelle, etc. Mais bon, c'est encore un autre monde. Puis bon, le, la révocation de l'édit de Nantes par... Euh, par Louis XIV a eu des, des conséquences géopolitiques plutôt négatives pour la France, avec notamment le, bah, ce qu'a qu fait de Berlin une grande ville, c'est notamment la fuite de tous ces protestants vers Berlin. Et c'est étrangement leurs descendants qui vont venir botter le cul de la France par la suite. Et ça, ce sont les ironies de l'histoire. Euh, mais pour être clair, je pense que le lieu de transmission de l'identité catholique, ça ne doit pas être l'Église, ça doit être l'abbaye. Parce que l'abbaye, elle est opérative. Euh, juste la messe. Alors, les, les, vous savez, je vais faire d'autres parenthèses. Les protestants, en particulier dans les États du Sud, ils ont rendu la messe attractive avec les gospels, avec euh, voilà toute la tradition que vous avez dans les États du Sud des États-Unis, où on chante, où on s'amuse, on, on a un organisme qui pourrait être Ed Charles, etc. Et, et, et du coup, ça attirait. Et puis il y a aussi le fait que les États-Unis c'est un très grand pays donc on a besoin d'avoir une communauté et en fait une des raisons aussi pour lesquelles euh, la jeunesse euh, en particulier maghrébine en France parce que c'est l'histoire qui veut ça c'est pas des les musulmans français sont pas des indonésiens ou des malaisiens ou encore moins des ouïghours euh, ce sont majoritairement des maghrébins euh, ils peuvent se sentir un petit peu comme un américain dans les grandes plaines quoi et donc la communauté dans les grandes plaines, elle se forme autour de l'Église. La communauté, dans la psychologie du maghrébin musulman en France, qui se perçoit comme dans les grandes plaines vis-à-vis -vis, euh, de, de, de l'endroit où il se trouve, c'est la mosquée. Donc, euh, si on veut que la, la jeunesse française s'intéresse aux racines catholiques de la France et qu'elle n'en ait pas honte, alors la cathédrale, c'est très beau, mais selon moi c'est dans l'abbaye que ça va se passer parce que dans l'abbaye vous avez du, du travail euh, vous avez de la production vous avez un retour à la terre la, la, la terre de France doit reprendre conseil auprès du modèle agricole abbatial j'arrête pas d'en parler mais c'est pas seulement pour la productivité agricole c'est pas seulement sur le thème des forêts nourricières c'est pas seulement sur le thème de la permaculture qui est génial c'est pas seulement sur le thème de, 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 qu'Alain Passard revendique de, de, Alain Passard il voudrait que chaque Légumes, chaque fruit et une version grand cru. Vous l'avez avec les tomates, par exemple. En Sicile, vous avez les tomates de Paquino. Incroyable. Si Vous n'avez jamais mangé une tomate si vous n'avez pas goûté une tomate de Paquino. Euh, et ça, ça permettrait de rendre aux agriculteurs des marges et des moyens de, 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 de préserver leur richesse et leur niveau de vie et de ne pas se suicider. Le modèle abbatial, selon moi, peut résoudre plusieurs de ces problèmes en même temps. C'est-à-dire la production, l'emploi. L'identité, la spiritualité. Et selon moi, c'est bien davantage dans les, dans les abbayes que dans les, euh, que dans les, les églises. Enfin, je ne cite pas la jeunesse catholique française ou aspirante catholique française à déserter les églises, mais je pense que c'est dans les abbayes que ça, que ça va se passer. Faire des week-ends, des retraites, et une retraite au Mont-Saint-Michel, c'est des super vacances. L'abbaye du Mont-Saint-Michel, elle offre ça. Hein. Elle vous offre, il faut, faut, faut payer un prix très modique, très très modique. Et vous pouvez faire une retraite dans une des... Euh, alors vous avez une vue superbe, c'est retiré, mais vous avez une vue incroyable, vous pouvez marcher, sortir, vous n'êtes pas obligé de rester enfermé dans, dans, la, dans la cellule, ça s'appelle comme ça, chambre de moine. Et vous pouvez faire ça. Euh, faire la route des abbayes en France, c'est quelque chose qui, euh, à mon avis, serait beaucoup plus intéressant pour la jeunesse française en perte de repères en pleine dépression, regardez en plus avec les confinements, là, les suicides chez les jeunes. Euh, la route des abbayes, et en particulier réassumer le fait que les abbayes ont toujours eu un rôle productif voilà, dans la société, et un rôle éducatif aussi, puisqu'avant on y enseignait, l'écriture, la lecture, l'exégèse. Je pense vraiment que c'est là que ça va se jouer et que c'est là qu'il faut, c'est par là qu'il faut attaquer le problème. Très bien, en tout cas, euh, merci d'avoir donné euh, votre, votre avis, d'avoir répondu euh, sur, à ces questions euh, en lien avec la religion. On va finir sur le dernier sujet, puis on passera à la FAQ parce que euh, l'heure tourne et euh, on, on va approcher le record de longévité euh, euh, d'une émission, euh, le record étant détenu par M. Rougeron. Euh, on va passer au métaverse. Donc, euh, le métaverse, c'est un. Projet qui a été euh, lancé officiellement par euh, euh, Mark Zuckerberg. En réalité, c'est euh, une idée qui est assez euh, assez ancienne, qui n'est pas du tout euh, euh, nouvelle. Je vous propose qu'on écoute euh, eh bien la présentation de euh, Mark Zuckerberg et puis je vous poserai une série de questions. Allez, on l'écoute. Imagine you put on your glasses or headset and you're instantly in your home space. It has parts of your physical home recreated virtually, it has things that are only possible virtually, and it has an incredibly inspiring view of whatever you find most beautiful. Hey, are you coming? Yeah, just gotta find something to wear. All right, perfect. <laughs> oh hey Mark. Hey what's going on? Hey, Hi Mark. What's up Mark? Whoa, we're floating in space? Uh huh? Who made this place? It's <laughs> awesome. Voilà, comme on peut le constater, Juckenberg qui a l'air parfaitement euh, sain d'esprit. Donc, le métaverse, c'est une idée qui a été développée déjà à partir des années 60. On le retrouve dans le simulacre de Philippe Dick, qui est un grand auteur de science-fiction et que je conseille à tous ceux qui nous écoutent. Et surtout, la, le, le mot même de métaverse vient du livre Le samouraï virtuel de 1992, qui a été écrit par Neil Stevenson, où il parle justement de la possibilité d'un univers Parallèle virtuel qui serait juxtaposé au nôtre et qu'on pourrait accéder à cet univers par le biais d'un casque de euh, réalité virtuelle, un casque VR en somme. Donc le, le métaverse, il est porteur de, de beaucoup d'espérance chez euh, certains à la Silicon Valley. Qu'est-ce que vous pensez du modèle de société qui est euh, juxtaposé au métaverse Parce que j'ai l'impression que depuis quelques années, on essaye, et on l'a vu au cours de ces deux dernières années, qu'il y a une volonté de, de faire que les gens restent chez eux le plus possible, qu'ils ne sortent pas dans la rue, qu'ils restent repliés sur le foyer. On a vu ça avec des modes américaines de la domesticité cosy, comment décorer son intérieur, l'aménager pour pouvoir travailler à partir de chez nous. Et qu'en fait, notre seul contact avec les autres se fasse. Par le biais du métaverse, où l'on peut directement commander dessus, acheter des skins. On a vu l'émergence du NFT, de tout ce qui est de l'ordre de l'immatériel, pour mener notre vie sociale par procuration via le métaverse. Qu'est-ce que vous pensez du projet de société du métaverse Est-ce que c'est un projet qui va marcher un jour, alors que là, il y a déjà des premières critiques Certains disent que le métaverse de Zuckerberg est plus que bancal. Que pensez-vous de tout ça euh, déjà, très bonne culture initiale sur le samouraï virtuel et autres. Merci d'avoir resitué toutes ces, euh, tous ces précurseurs. Le métaverse, c'est un nouveau défi pour l'humanité. Donc, euh, Hakim Sanaï, qui est le, un auteur soufi qui a écrit Le jardin muré de la vérité, a dit euh, L'humanité tisse la toile dans laquelle elle se prend. L'humanité tisse des infrastructures, des choses, puis elle finit par se prendre dedans comme une araignée qui se prendrait à sa propre toile. Euh, et le métaverse, c'est un nouveau défi. Donc on va y retirer de la sagesse, on va, on, je pense qu'on va prévaloir, on va finir par, par dominer et comprendre ça, mais c'est tendance de l'humain. J'ai vu par exemple, euh, vous avez dans Ravage de Barjavel euh, l'idée que les, les humains du futur garderont leurs défunts, euh, presque empaillés, cryogénisés, euh, mis en scène, les yeux ouverts, ça qui est un peu flippant, euh, les yeux ouverts euh, avec un costume et tout. J'aime je, je, beaucoup la Sicile, vous avez les catacombes, je crois, des capucins à Palerme, c'est les Capucins, vous avez une jeune fille qui a été embaumée, et ses yeux s'ouvrent parfois. C'est un, un phénomène qui vous glace un peu le sang, vous, visitez, a, vous avez l'impression qu'elle va se réveiller, ça fait 100 ans qu'elle est embaumée. Euh, dans le métaverse vous avez vu dernièrement une, la présentation d'une femme, d'une mère qui avait perdu son enfant, et euh, l'IA avait, avait été nourrie par quelques-uns de ses emails, des emails de sa fille, et du coup, l'IA reproduisait une sorte d'ombre, d'illusion, c'est une illusion. Hein. C'est pas sa fille, mais face à la douleur d'avoir perdu un enfant, euh, vous allez être tenté d'aller vous satisfaire avec cette fille virtuelle qui vivra pour toujours dans le métaverse et vous donner à une société comme euh, Facebook, une société dont on sait tous les débordements éthiques, la possibilité d'avoir cet ascendant émotionnel sur vous, cet ascendant euh, spirituel même sur vous, d'avoir une image qui appartient à Facebook. Si vous donnez des emails, à euh, de Facebook pour qu'elle reproduise votre fille défunte. Le double de votre fille défunte appartient à Facebook. C'est horrible, c'est comme ça. Euh, maintenant, voyons tous les aspects. Alors, d'où vient le métaverse d'un point de vue purement financier D'un point de vue financier, Facebook est en perte de vitesse. Même les relais, les grands relais de croissance de Facebook, c'était l'Indonésie. Euh, même les relais de croissance de Facebook se sont tari. Et maintenant, euh, pour la première fois dans, dans l'histoire de Facebook, le nombre d'abonnés net a baissé. Et juste après, donc c'est ce qui a créé l'effondrement du cours de Facebook. Le, le cours de Facebook a, a perdu 30%. Et juste après, quelques mois plus tard, vous avez eu pour la première fois aussi une baisse historique de l'engagement, ce qu'on appelle l'engagement, des stories Instagram. Instagram, c'est la. Instagram, c'est le joyau de la couronne de Facebook. C est, c est, euh, pendant très longtemps, Instagram, c'était le, le plus gros convertisseur publicitaire. Ce qu'on appelle la conversion, le taux de conversion, c'est quand vous transformez une publicité en clic. En fait, le taux de conversion, c'est quand vous transformez une publicité en vente. Là, vous avez une conversion totale. Mais euh, le plus meilleur taux de conversion au monde de tous les réseaux sociaux, de tous les médias sociaux, c'est Instagram. Quand Instagram vous met une pub, la probabilité que vous cliquez dessus est la plus grande par rapport à tous les réseaux qui mettent de la pub. Et là, même là, le taux d'engagement a baissé. Alors les, les prospectivistes chez Facebook se sont dit, bah, l'engagement qui ne baissera jamais, c'est l'immersion. L'immersion, quand on a investi, vous avez quelqu'un qui a payé, je crois, 460 000 dollars pour acheter le terrain à côté de la maison de Snoop Dogg dans le métavers. Quand vous avez investi, quand vous avez acheté... Quand vous avez construit votre vie, le taux d'engagement ne va pas baisser. C'est ce que se disent les prospectivistes de, de Facebook. Donc, ils ont parié sur Meta, et c'est pour ça que le groupe Facebook ne s'appelle plus Facebook, mais s'appelle Meta. C'est pour indiquer à leurs actionnaires, comme Google ne s'appelle plus Google, mais s'appelle Alphabet en bourse. C'est pour indiquer à leurs actionnaires Alphabet, ça veut dire un pari alpha. Bet en anglais, ça veut dire un pari. Et alpha, ça veut dire qui performe mieux que la moyenne. Une action alpha dans votre portefeuille, c'est une action qui performe bien. Google s'est rebaptisé Alphabet pour dire ça, pour dire on, on investit dans ce qui va bien performer. Eh bien, c'est la même mutation que Facebook réalise, c'est de dire on devient méta. Donc on investit dans un univers dans lequel l'engagement ne va jamais cesser, on n'aura plus cette peur de perdre des abonnés parce qu'ils seront tellement immergés qu'ils ne vont pas quitter. Et euh, je pense que c'est un nouveau défi que l'humanité va gagner. Alors, je pense que, comme nous, historiquement, on a tendance à voir, à voir ce qui est inquiétant. Donc, on va voir les choses inquiétantes, comme l'histoire de cette mère de famille dont un enfant a, a été reproduit par Facebook, dont un enfant défunt a été reproduit par Facebook. Ça, ça va être flippant. Ça, on va le voir. Et il faut s'attendre à, à des trucs bien pires que ça. Comme on l'avait eu déjà avec des précurseurs sur Second Life. Mais je pense que l'humanité va relever ce défi. Parce que, pour conclure, pour les bouddhistes, on est déjà dans le métavers. On est déjà, ça c'est un métavers. Euh, Baoudin Naqshband, qui est le fondateur de la confrérie des Naqshbandis chez les Soufis, disait On est tous dans une caravane de rêves. Voilà. Une caravane met un rêve, un rêve mais une caravane. Donc tout ça c'est l'illusion. Les bouddhistes appellent ça Maya. Ce, ce polo c'est une illusion. Ma vie, mon visage, mon identité c'est une illusion. On est déjà dans le métaverse pour les bouddhistes. Et le cœur de ma philosophie, c'est que ce monde est clos par théophanie. La théophanie, c'est la représentation de Dieu. Et ce monde, la totalité de ce que ce monde contient, est une forme de leçon. Il y a une leçon dans ce monde. Tout ce que ce monde contient a une leçon à nous enseigner. Même si elle peut être dure, même si elle peut être violente, même si elle peut être atroce, il y a une leçon à en tirer. Le, le métaverse va être une leçon qui va nous permettre de comprendre que ce monde, est un métavers, que ce monde est une illusion. Et plus on va se faire happer par le métavers, plus on va aboutir à un moment de prise de conscience inévitable où on va le rejeter, on va le rejeter, mais en en ayant mangé, on va en faire une indigestion, et on va aboutir culturellement à la compréhension de ce que ce monde même-là est indigeste, parce qu'illusoire. Et c'est ce qu'avait, euh, je crois que c'était prétendument écrit sur la tombe de Tamerlan, heureux celui qui a rejeté le monde avant que le monde ne le rejette. Oui, tout ce que vous dites, ça me fait penser à l'ouvrage Simulacre et Simulation de Baudrillard, où dans le, mmh. le premier chapitre, il explique que... On vit en quelque sorte autour des illusions. Il parle de la métaphore de la carte, où le voyageur va utiliser une carte pour, pour eh bien, euh, se déplacer dans un territoire. Or, c'est la carte qui supplante le territoire. C'est parce mmh. qu'il a les yeux rivés sur cette carte que la carte devient la réalité du territoire sur lequel il est en train pourtant d'évoluer. Euh, et euh, il y avait un, un autre essai de Nancy Houston. Bon, j'aime ai, pas du tout sa thèse, mais elle a le mérite d'être abordée ici, qui, dans l'espèce fabulatrice, il me semble que c'est le nom de l'ouvrage, expliquait que... Euh, nous, les, les, les êtres humains, euh, on était dans cette volonté de toujours se raconter des histoires, des mythes, et que tout ce qui nous entoure en réalité est une fiction. Les frontières sont des fictions, euh, les noms de nos pays sont des fictions qui, certes, correspondent à une réalité historique, mais tout ça en réalité, ça ne tient pas. Ça, ça, enfin, quand, pour moi, ça tient parce que euh, ouais. vu les idées que je porte. Mais ce que je veux dire, c'est que pour elle. Il n'y avait pas de réalité scientifique objective qui disait la France existe en tant que nation, par exemple. Donc, euh, c'est vrai qu'on peut déjà se demander si on n'est pas entouré euh, d'illusions, en somme. C'est ce que disait Baudrillard et c'est ce que dit aussi, euh, d'une certaine façon, Nancy Houston. La question que je voulais vous poser pour conclure ce, cet arc sur le métaverse, c'est est-ce que ce n'est pas aussi un moyen pour le capitalisme de trouver un nouveau souffle. Je m'explique. Mmh. Le capitalisme aujourd'hui est dans une position qui est délicate, c'est qu'il veut produire toujours plus, notamment des produits manufacturés, mais en même temps, il faut tenir un discours euh, écologique où il y a, eh bien, euh, il commence à y avoir des pénuries, on le voit avec euh, les différents conflits, on voit que l'énergie ne devient plus, eh bien, euh, une évidence pour, pour, pour tout le monde et par conséquent, il va y avoir des difficultés à être toujours dans cette idée d'hyperproduction. Moi, souvent, quand, quand je vais en ville et que je me rends dans des, par hasard hein, dans des magasins, euh, je ne sais pas, je passe, je passe devant des Primark ou des Zara, je suis effaré de voir des murs entiers remplis de, de vêtements qui vont être la semaine d'après euh, complètement renouvelés. Donc, le capitalisme va avoir du mal à être toujours dans cette logique de surproduction, de surabondance. Et est-ce que le métaverse, c'est pas un moyen par le biais des achats de skins de NFT etc et d'ailleurs on le voit directement avec l'univers du jeu vidéo aujourd'hui il y a de, de nombreux joueurs qui sont capables de payer parfois des prix exorbitants pour se démarquer des autres joueurs alors que ça mmh. ne leur donne pas d'avantage compétitif c'est ce qu'on appelle des skins et ouais. pourtant ça marche du feu de dieu il suffit de voir le succès qu'a eu Fortnite il y a de ça quel quelques années pour se rendre compte mmh. de la manne financière impressionnante Dans ce donc est-ce que le métavers c'est pas un moyen pour le capitalisme de se survivre à lui-même en proposant aux consommateurs, écoutez, on n'est plus euh, dans la possibilité de vous vendre des produits et des biens manufacturés qui euh, coûtent en énergie, et en matière première. Donc, on va vous vendre, et désolé pour l'expression, des merdes virtuelles pour vous démarquer dans vos réunions virtuelles. Vous allez avoir une bretling virtuelle, un costume virtuel, etc. Est-ce que c'est pas aussi un moyen? Pour le capitalisme de se survivre à lui-même, et on conclura sur ça pour le métavers. Mais ça, ça l'est en fait, c'est-à-dire c'est même pas un moyen de se survivre, c'est une évolution naturelle du capitalisme. Euh, une Breitling, une Rolex, c'est une illusion pour les pour les bouddhistes et pour les sages en général. C'est de base, c'est une illusion. Alors c'est une illusion qui a une masse, mais et, et tous les spécialistes en marketing le savent, c'est la valeur d'usage qui compte c'est ce que notre cerveau lui attribue qui compte. Parce que sinon, c'est juste un mouvement qui fait bouger des, des aiguilles dans un boîtier, mais c'est ce que notre cerveau lui attribue. Donc, en fait, on sait de plus en plus, en particulier avec le neuromarketing, que c'est la place d'un produit dans notre cerveau qui fait son prix. Et donc, euh, court-circuiter directement le produit physique pour vendre directement la place dans le cerveau, c'est l'évolution normale du capitalisme. Et c'est ce qu'a compris Facebook pour devenir méta en se disant effectivement, je vais vous vendre directement l'émotion, la trace dans le cerveau. Et c'est pour ça que si on fait du méta avec des implants neuronaux, là, l'humanité tisse la toile dans laquelle elle se prend va, va, va être atroce. Atroce. Parce qu'on aura un distributeur. Vous voyez. Il, y avait, il y avait une blague à l'époque chez Serge il aimait bien montrer ça dans ses conférences. il, il Quelqu'un qui prenait une clé USB qui disait Regardez, je, je me fais livrer mon vin par, euh, par Internet, met la clé USB sur l'ordinateur, puis il y a du vin qui coule directement. Bah, en fait, avec une puce dans la tête, comme dans Matrix, vous vous rappelez, il y a cette scène où euh, je crois qu'il s'appelle Cypher, euh, mange un steak saignant. Et dit, c'est la matrice qui me distribue directement la sensation de steak saignant. Et j'en suis très heureux. Je sais que c'est une illusion, j'en suis très heureux. La capacité à distribuer directement la sensation du steak saignant dans le cerveau, c'est le stade ultime du capitalisme commercial. Et c'est le stade ultime de la valeur financière. Parce que là, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de baisse tendancielle des taux de profit. Il y a... On peut là générer euh, des, des milliers de milliards. Donc oui, euh, je, je souscris totalement à votre analyse. C'est-à-dire que c'est l'évolution. En neuromarketing, on enseigne que les produits valent par leur aura, par leur valeur cérébrale. Quand on crée du virtuel, on, on, on court-circuite la production, on va directement dans la valeur cérébrale. On vend directement. Le dernier centimètre de la valeur économique qui est comment moi je l'aperçois. Pourquoi je suis prêt à payer tant pour une montre Et pour beaucoup de, de sages, c'est une façon de purger l'ignorance de l'humanité. C'est-à-dire qu'en allant jusqu'à ce bout-là, c'est terminus. On va atteindre l'absurde, on va prendre conscience de l'absurde et on va peut-être. Si on est suffisamment courageux et ça se libérer de l'illusion en étant confronté au summum de l'illusion. Ça me fait penser, euh, et je, je finirai cette partie sur ça, à un, à un ouvrage que j'avais particulièrement apprécié. C'était un essai de Kurt Anderson qui s'appelait euh, Fantasyland, où il analysait euh, le rapport des Américains au, à, à la consommation de films, de séries, de jeux vidéo, etc. Et il disait à quel point, euh, les Américains en tout cas, parce qu'il an, il, il analysait son pays euh, en soi, euh, était dans cette volonté de fuite en avant euh, perpétuelle à euh, s'emprisonner dans des mondes virtuels, que ce soit par le biais du jeu vidéo, euh, par le biais même du parc d'attraction, puisque les Américains ont cette culture du parc d'attraction. Donc, ce, ce, ce qui est particulièrement inquiétant, c'est de se dire qu'il y a une grande partie de la population qui, par volonté d'échapper à leur vie, qui eh bien, malheureusement euh, sont pour la plupart monocordes et assez euh, tristes, seraient capables d'accepter ce, ce deal avec le diable, de oui, ça ne me gêne pas de vivre dans une illusion, tant qu'au moins ça euh, provoque en moi de la dopamine. On le voit oui. avec un nombre vertigineux de, de jeunes hommes qui décident aujourd'hui euh, eh de, de, de regarder que du porno et de ne pas euh, être dans cette euh, recherche euh, de l'autre. Donc euh, c'est ça, moi, qui m'inquiète euh, spécifiquement, le fait qu'une partie de la population semble se contenter euh, de cette illusion perpétuelle. On a terminé avec les différents euh, sujets que je voulais aborder euh, et on va passer à la FAQ. Toujours dans l'émission, il y a deux questions que je pose à chaque invité. C'est un petit peu le, 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 le rituel. Est-ce que vous avez des références Alors, c'est très difficile parce qu'on a, on a beaucoup de références à chaque fois quand on est un lecteur avisé ou quand on regarde beaucoup de, de, de grands films. Mais pouvez-vous nous donner votre liste, non pas exhaustive, mais d'ouvrages favoris et de films que vous appréciez particulièrement voilà, c'est toujours la question que l'on pose à chacun de nos invités. Vos films préférés, vos livres, vos livres préférés, pardon. Alors, là, juste artistiquement, pas professionnellement, sinon je vous aurais parlé du bio des bouquins de Gunther Poli que je recommande, de, de Janine Benyus, Biomimicry -Bio par Janine Benyus ou Biomimicry in Architecture par Michael Pauline, c'est des bouquins qui m'inspirent énormément et qui se lisent très bien. Euh, sur le plan purement artistique, la Cassida de Richard Francis Burton. Ah, la Cassida de Richard Francis Burton, c'est... C'est beau, c'est propre, c'est magnifique. Euh, mon roman préféré, c'est Caracouche d'Hydricha, celui que j'ai offert à Codreno. Euh, c'est un roman incroyablement bien écrit, c'est meilleur que l'espoir de Malraux, selon moi. Et euh, c'est le meilleur roman de guerre que j'ai jamais lu, point. C'est superbement écrit. Euh, en poésie, j'adore les poésies d'Edgar Poe. Vraiment. Euh, bon, T.S. Eliot aussi, c'est mon, mon poète anglophone préféré, Les Quatre Quatuors. Si vous devez. Euh, Offrir un seul recueil de poésie à quelqu'un offrait les quatre quatuors. C'est très simple, ça se lit très bien, c'est d'une limpidité. Et ce qui est marrant, c'est que c'est tellement bourré de sagesse que euh, ce qui m'a empêché de partir en bas de trip quand j'ai pris de layahuasca, c'était de me rappeler euh, certains vers des quatre quatuors. C'était en, en me rappelant, en me réitérant certains vers des quatre quatuors que j'ai pu éviter de partir en bas de trip dans la c'est-à-dire en angoisse, en, en crainte, etc. Euh, donc et ça, je peux vous dire que c est, c est, ça veut dire que vous avez de la sagesse pratique, là. ça veut dire que vous avez de la sagesse concrète. C'est de la sagesse qui se confronte à la, à la perception de votre mortalité. Euh, et c'est vers précisément, autant les donner que ça ne fasse pas un teaser, qui assez bien t'écrit Tu sais, le temps passé, le temps futur, ce qui aurait pu être et ce qui a été pointe vers une seule fin qui est toujours présente. Le temps passé, le temps futur, ce qui aurait pu être et ce qui a été pointe vers une seule fin qui est toujours présente. Quand Vous méditez ça, ça vous permet de relativiser certaines erreurs de votre vie ou autre. Euh, voilà, les quatre quatuors de T.S. Eliot. La Cassida de Richard Francis Burton, Caracouche de Shah. Euh, et pour les films, pour les films, euh, là aussi, vaste programme. À une époque, un film que je regardais des tonnes de fois, c'était Il était une fois la révolution avec James Coburn et Rod Steiger de Sergio Leone. Euh, j'aime beaucoup Pépé le Moko, je suis un grand, grand fan de ce film, j'ai dû le voir une dizaine de fois. Et son remake euh, avec Charles Boyer et Eddie Lamar, qui est mon crush absolu, euh, qui s'appelle Alger, qui a été l'inspiration de Casablanca. Bon, bien sûr, le parrain et les films de Marlon Brando en général, hein, sur les quais, euh, mais aussi les films de cette époque avec euh, Henri Fonda comme 12 Hommes en Colère. 12 Hommes en Colère, c'est un film que j'aime énormément parce que vous voyez toute la psychologie dedans. The Dark Knight, la performance de Heath Ledger, euh, euh, ça, ça, ça vous retourne la chair, surtout quand vous savez qu'il en est mort. Donc voilà un peu ma, ma, ma filmographie. Où, euh, et puis bien sûr, hein, tous les films d'animation d'Ayao Miyazaki, hein, Porco Rosso notamment, qui est totalement sous-estimé. C'est là que vous voyez qu'Ayao Miyazaki, c'est un génie parce que euh, Porco Rosso, c'était une commande publicitaire de Japan Airlines pour faire un un divertissement sur le Tokyo-Rome, le Tokyo quand la ligne Tokyo-Rome avait ouvert avec Japan Airlines. Et euh, Ayao Miyazaki, il en a fait un chef dœuvre Donc je vous le recommande aussi vivement. Très bien, ben je crois qu'on a, a fait le tour puisque j'ai pris beaucoup de questions des, euh, des, des abonnés de Livre Noir directement dans le cadre de l'émission. Donc, c'était un plaisir de vous recevoir, vous recevoir en tout cas, M. Aberkan. Euh, je voulais remercier également les contributeurs de Livre Noir, sans qui tout cela eh bien, ne serait eh bien sûr pas possible. Je rappelle que l'on cherche des stagiaires pour l'an prochain en montage, en rédaction d'articles contact@livrenoir.fr il y a tout euh, et bien euh, les infos directement en description monsieur Abercan merci pour cette très longue émission mais qui était passionnante au plaisir de vous revoir peut-être même sur le fauteuil rouge euh, de livre noir directement Comment à la rentrée très bien ben, écoutez merci à tous d'avoir suivi cette émission on était presque 3000 par moment il me semble que c'est un record je vous souhaite à tous une très bonne soirée et on se retrouve très prochainement pour un nouveau rendez-vous des barons. Ciao tout Merci le monde.